Bonjour tout le monde. Oye, Comment ça va? Bienvenue dans Aurel Matin. D'ailleurs, on va se mettre le générique. C'est Let's Go! Tous les mardis, mercredis et jeudi à 9h30, c'est Aurel Matin. On discute, on échange, on fait les foufous. Puis à 10h, c'est là que tout commence. On fait un react avec un bingo sur la sellicule. Hélène et les garçons, Kiki est insupportable. Josémette, c'est se mettre chaussures sur le lit et ça c'est non. Si on arrive à faire une ligne de bingo, ça part sur un deuxième épisode. Et Aurel doit décaler tout son planning car il n'a pas le temps. Une fois que ça c'est fini, vers 11h on se fait petit tour. Moi de 4 courses sur Mario Kart avec les viewers. Bonjour tout le monde, c'est Aurel Matin, c'est la fête ou pas? Exactement, c'est exactement la fête. Dernière matinale de la semaine. Le col est tiré. Le torse est bombé. J'ai chaud, il est petit ce t-shirt. Je suis en calbar, je vous le dis comme je le pense. Je vous le dis comme c'est vrai en fait. Le Aurel, il est en calbar. Ça va tout le monde? J'espère que vous allez hyper. Moi, c'est Aurel, et c'est le matin. Il s'agit bel et bien de Aurel Matin. Bonjour tout le monde, bonjour Fatih, bonjour Wizbot, bonjour Sky, bonjour Art, Clo, Laure, Sti, Marie, Nib, Dessy, Jir, Laure, ainsi que Lilo, Jojo, Lex, Chosy la fille, Cajius, Chris, Aloïs Ossel, et tout le team, vous êtes tout ce qu'il y a depuis hyper. J'espère que vous avez passé une nuit hyper. Il y a des gens qui m'ont vu faire du cheval hier. Il y a des gens qui m'ont vu avec le dindon culte hier. Dindon culte dans Red Dead Redemption hier. C'était culte. Première soirée de Red Dead Redemption sans aucun lag. Juste ma caméra freeze de temps en temps. Ça va arriver ce matin. En ce moment, la caméra freeze. Soudainement, je suis... Là, c'est moi qui suis à l'arrêt. Mais des fois, ça fera ça sans que je sois au courant. Donc, à un moment donné, je parlerai, je bougerai plus. C'est un bug. À un moment donné, je ferai « Ah merde, je suis freeze !» Et après, je serai défrisé. Voilà ce qui va se passer. C'est le programme de la matinée. En tout cas, c'était hyper. Ouais, il y a eu un dindon culte. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Il y a un dindon culte, surtout essentiellement, je crois. C'est surtout ça qui s'est passé. C'était on ne peut plus culte. Ah oui, on est devenu pote avec un gars à qui on a fait faire du ski nautique dans des cailloux. Et après, on l'a laissé dormir. Personne n'est mort dans le live Red Dead d'hier soir. Aucun dead. Aucun dindon et aucun gars que j'ai tiré avec une corde. J'espère que vous avez passé en tout cas une nuit hyper. Bonjour à tout le monde hors le chat. J'espère que hors le chat vous délirez bien aussi. Bonjour à tout le monde dans le chat, bien évidemment. En gros, bonjour à tous les gens qui m'entendent, qui entendent ma douce voix. Les gens qui me regardent, bonjour aussi, mais vous savez pas que je vous dis bonjour. Des gens qui juste me regardent, parce que je suis beau gosse mais qui détestent ma voix. Ça c'est pour vous, mais vous savez pas, c'est pour vous. C'est pour vous les man. Qu'est-ce que ça raconte de beau? C'est bizarre de mettre un truc que je connais pas en fond, par contre. Alors, ça raconte quoi dans le chat? Bonjour, 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 bonjour. Vous êtes très bonjour, hein. Il y a une vibe très bonjour. Ça a lancé un petit point météo, très bien, ok. On est le 20 juin, ça sent un peu l'arrivée des vacances, ok. Ça sent aussi l'arrivée des élections, putain de sa race. Il fait archi gris et pluvieux de ouf dans le sud, d'accord. Putain, j'espère qu'il va faire beau pour le Pétanque Explorer. Car oui, ce week-end, je participe au Pétanque Explorer, ce samedi. Cela commence à 13h30 sur la chaîne YouTube de McFly et Carlito. Mais normalement, à Nice, il fait beau, non? C'est le concept. Je pense que c'est le concept. Mais j'espère qu'il ne va pas faire trop chaud non plus. Car nous allons sinon décéder de chaleur. Mais c'est couvert ou pas, le truc? Est-ce qu'il pleut des fois à Nice? Ça arrive ou pas? Je sais pas. Moi, je sais pas. Et Aurel, il fait à quelle date la trêve des streams? Tu veux dire les vacances? C'est ça le concept? Alors pour l'instant, moi j'ai pas de vacances, donc si la semaine du 12 juillet, un truc comme ça, je streamerai peut-être pas. Et encore, si, je ferai juste pas de matinale le jeudi, je pense. Je peux juste faire 4 jours du jeudi au dimanche la semaine du 10. Et j'aimerais bien faire d'autres trucs,
mais on n'arrive pas à caler des Vosges avec Freddy et Anis. Et j'ai rien d'autre de prévu en perspective, donc cet été, ça va streamer, je pense. Hein. Cet été, ça va streamer. Qu'est-ce qu'elle disait, Laure ? Ah oui, voilà, effectivement, je me disais pourquoi Nibla dit ça. Effectivement, pour l'instant, je n'ai pas communiqué sur mes dates d'été, ça y est, je viens de le faire. Il a juste parlé du fait que s'il veut maintenir les 300 subs pour le 70-30, il va devoir stream. Effectivement, il ne faut pas trop que je lâche la rampe, sinon on va avoir du mal à maintenir les 300 points d'abonnés. Qu'est-ce qu'on raconte là ? Eh bien, regardez ici, là, il y a écrit 314 points d'abonnés. Il faut qu'on maintienne ce niveau de points d'abonnés pendant 3 mois. Et grâce à ça, j'aurai le 70-30 dans la répartition de la monétisation YouTube. Là, quand vous subez, la moitié du blé va à Amazon, c'est 50-50. Si on arrive à maintenir les 300 points d'abonnés pendant 3 mois, bam, on passe au 70-30. Donc j'ai envie de dire let's go. J'ai envie de dire subez, les amis. Subez. Regardez ce qu'il dit Aurel dans le chat. C'est incroyable ce qu'il dit Aurel dans le chat. Donc subez à fond, les amis. Soutenez le streamer. Et ensemble, maintenons ce level au-dessus de 300 points d'abonnés. Je l'écouterai, l'album de Ketranada, mais comme là, je le connais pas, j'aime pas, mais des trucs que je connais pas, le Tinma. Donc on va remettre Altgun. Cagius, c'est pas une compète, mais t'as gagné. Sur Chef Valfrag. Let's go la victoire. Merci Big Blo pour le Prime. Alors ça raconte quoi d'autre ? Titadidadidadi, pam pam. Cagius, tu as leur dernier album à Altingun, c'est ce que nous écoutons actuellement. Tu l'as en vinyle dédicacé. Bah écoute, Psartek à toi. Un petit train de la hype a été lancé. Mais il y a eu qu'un sub. Ah, j'ai raté un remerciement. À un sub, on lance un train de la hype sur ma chaîne. Tain, ça veut vraiment dire que personne ne sub. Si un sub suffit pour lancer un train de la hype, c'est chaud. Ah non, c'est parce que Fatih a donné des cheers. Merci Fatih pour les cheers, pour les 300 bits. On a Bogoum qui est là. Ah putain, ce serait incroyable. J'ai scrollé, j'ai cru voir écrire Bogoum. On arrive. Oscou qui dit « J'ai une réunion à 10h, vous avez intérêt à me remplir ce bingo que je vous rejoigne sur un deuxième épisode. » Eh ben on souhaite. Hier, on a failli, il y avait deux lignes. On a presque fait un bingo hier, on a eu deux lignes, il ne manquait plus qu'une case. Il n'est pas dispo ce matin, I18. Il va penser à nous très fort. Putain, du coup, là, on a Etim qui passe son bac dans les membres qui sont très souvent là, dans les membres cultes du chat. Etim, il n'est pas là. I18, il n'est pas là. Eh ben, dis donc, on est orphelin, quoi. Mais en tout cas, insultez-moi hein, pour l'instant, parce qu'a priori, du coup, Messaïra, je ne l'ai pas vu encore. J'ai pas tout scrollé mon chat, mais Madame Emelard, elle lurque sûrement, Madame Emelard, elle attend qu'il soit 10h pour nous donner l'heure. Mais insultez-moi, a priori, personne ne pourra vous ban pour l'instant. Oh, un petit sub. Inès Kimo. Merci beaucoup, Inès Kimo, pour le sub. Des conseils pour soigner un torticolis. C'est un légume, ça, non ? C'est ça ? Je sais pas. Les légumes peuvent être malades. Une fois qu'un légume commence à pourrir, je crois que c'est dead. Hein. Mets-le au frigo, ton torticolis, peut-être, pour limiter le pourrissement. J'ai pas de meilleur conseil que ça. Bon anniversaire Siki77 qui habite à Perth en Gâtinais, c'est ça ? Allez, on souhaite un bon anniversaire à Siki77, S-I-K-K, c'est GPL, hein. C'est pas, je suis pas en train de définir la personne, S-I-K-K-I-E-77, bon anniversaire à Watt. Tintin. Chris Matthews. Putain, vous connaissez bien son nom, mais tu l'as mal écrit. C'est le gars avec qui on a fait du jet ski hier dans Red Dead Redemption. Chic Matthews. Ah, c'est drôle, j'ai eu du mal à comprendre ton message, Lilo.
Mais Lilo qui nous dit « Sache que j'ai déménagé et je vis seul, et comme j'ai calqué ma personnalité sur le fait de dire hyper, eh ben j'habite à l'hypertement, mes copains ont décidé. » Tu as emménagé dans un hypertement. Bah, il doit être hyper. Il doit être tout ce qu'il y a de plus hyper, ton hypertement. Ah oui, c'est vrai, quand Vivi sera là, il faut qu'on... Vivi, est-ce que tu lurques ? Vivi, la chef des embrouilleuses du bingo. C'est marrant, ça fait longtemps que tu ne m'as pas embrouillé sur le bingo, Vivi, mais bon, bah, tu es culte pour ça. Est-ce que tu es là, Vivi ? J'ai un clip à te montrer. Hier, dans Red Dead, on a trouvé un animal à toi. Et du coup, on a clippé pour te le montrer ce matin. Mais j'avais effectivement oublié. Merci, Kajius. Comme vous pouvez le constater, je suis très en décalage sur mon chat. Alors, Bogoum m'a dit bonjour, effectivement, il y a longtemps. Peut-être Bogoum n'est plus là, mais merci Bogoum d'être là. Bogoum, la représentante officielle des viewers et viewers de Popcorn. Si vous avez des revendications, passez par elle, comme le dit Wizbot. Il va faire beau à Nice, formidable. Il y a un plan B en intérieur. Bah, et un plan B pour rapatrier 2300 personnes en intérieur, ça semble un peu technique, quoi. Ça construit une terrasse par ici en espérant que ça fasse venir le soleil. Ah, ça c'est tous les spectateurs, ça c'est bien... C'est typique des spectateurs de Popcorn, ça, des viewers de Popcorn, ça. Construire des terrasses en espérant que ça fasse venir le soleil. Psartek à toi, Bogoum, on espère que le soleil va arriver. La compétition a lieu à Nice Rally, effectivement. Il déteste ce jeu de mots, mais moi j'aime bien. 1-1, la semaine du 12, quoi. Bon, je pense que ça c'était il y a longtemps, je vais pas éviter de répondre à... Bonjour du Japon, bonjour à toi Eskimo, bonjour à toi et bonjour au Japon par la même occasion. Tu peux saluer le Japon de notre part. 1-1. Bon, arrêtez, je vais arrêter d'être autant en retard sur le chat. On connaît les dangers de cette pratique. Tu pourras chanter mon nom pendant Mario, s'il te plaît. Bah, il faut sub pendant Mario. Big Blow. C'est toi qui avais sub hier et que j'ai oublié... avant-hier, pardon. Quelqu'un a sub avant-hier, parce que sur les courses de Mario Kart de fin de live, si les gens sub, je chante leur blaze. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui a sub, il n'y avait plus de place, et j'ai dit je te chanterai demain, donc hier, et hier, je ne savais plus qui c'était. Il faut que je mène en direct, parce que là, je vous pose des questions, et du coup, comme je suis en décalage, je ne vois jamais vos réponses. C'est le meilleur groupe néerlandais. Tous les albums sont des bangers. Ce qu'on écoute, c'est néerlandais, là ? Je savais même pas. Je croyais que c'était à moitié turc, à moitié un autre truc, c'est ça ? Donc, dans ce cas-là, l'autre partie, c'est néerlandais. La blague, c'est que là, vous me répondez, mais que je suis trop en décalage pour voir vos réponses. Tu devrais afficher le nombre de subs et ton objectif. Mais oui, putain ! Faut que je fasse des trucs comme ça. Il n'y a pas de modo, parce que sinon, là, je vois Naked Tangerine qui a dit Aurel égale caca. Et aucun ban. Donc, effectivement, il n'y a effectivement aucun modo qui sont là. Aucun modo qui sont là. Ok, là, vous souhaitez joyeux anniversaire à Siki, ça c'est bien. Oh putain, il y a Kajius qui t'a offert. Qui t'a offert un abonnement en Siki pour ton anniversaire. Ça régale. Merci beaucoup, Kajius. Et encore bon anniversaire à toi, Siki, du jet ski dans Red Dead. Carrément. Bah, je vais vous montrer un clip. Quand il y aura Vivi, on va regarder le clip de Vivi. Le clip avec l'animal de Vivi qu'on a découvert. Ainsi que le clip du jet ski. Vous allez voir, c'était formidable. Je suis en train d'arriver à vous là. Il y aura quelque chose pour le centième Aurel matin. Bah, ça serait sympa quand même. Tintin, tintin. Mais j'ai sub il y a 5 minutes. Ah bah ouais, mais faut sub pendant... Bon, t'auras pas la priorité, Big Blow. Sur les gens qui sub pendant Mario Kart. Mais si quelqu'un ne sub pas, s'il y a de la place tout à l'heure, je te chanterai. Tintin. J'avoue, je suis mi-lurqueuse, mi-présente, nous dit Bogoum. T'inquiète pas, du moment que t'es là, même si tu parles pas dans le chat, on sent que t'es là. Joyeuse Aniv Rally, effectivement, bon jeu de mots également sur Anis Rally. Il manque un H à Rally, mais ça va. Tintin, 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 tintin.
Non, Altingen, c'est turc. Ah voilà, il me semblait bien. Bonjour Laure. Donc là, ça s'embrouille sur des nationalités. Arrêtez de parler, faut attendre le streamer. J'arrive. Ah, Siki qui dit tu pourras chanter mon blast pendant Mario Kart. Bon, c'est parce que c'est ton anniversaire. Mais tu as été ton abonnement t'a été offert hors Mario Kart, donc c'est un peu hors catégorie normalement. Bon, tu auras toutefois la priorité sur Big Blow, mais c'est ton anniv. Quand c'est votre anniv, moi effectivement je vous chante avec plaisir sur Mario Kart. Tu ne te souviens pas que tu pouvais voir le chat en direct à côté. C'est vrai. Je peux voir le chat juste là. Il est super le chat en direct. Mais quand je me lève, à chaque fois je me le prends, c'est une galère. Ah non, je suis devant, c'est bon. Ok, on y est presque là, je pense. Palam, palam, palam. Tu joueras en kimono au Pétanque Explorer en hommage au Nadine. Je l'ai déchiré, mon kimono. Là, vous ne le voyez pas, mais je l'ai déchiré pour la 16e fois, parce qu'il est assez fragile, ce petit con. Il faut que je le fasse recoudre. Mais on aura des maillots, en fait, le jour J. Des maillots officiels, par équipe. Donc, j'aurai un maillot officiel. Avec sûrement une faute à mon nom de famille. C'est-à-dire quelqu'un à la prod de McFly et Carito qui sait pas écrire mon nom. Ou c'est eux directement, mais bon, je pense que c'est plutôt... Enfin, bref, c'est normal. Les fautes au nom, hein. Moi-même, je sais pas écrire Squeezie, donc je vais pas me vexer quand on fait une faute à mon nom. J'espère juste qu'il y aura pas une faute sur mon maillot, quoi. Après, Squeezie, c'est une galère. Il y a deux E, il y a des Z, des I, des... Enfin, c'est une galère. Alors que j'adore Squeezie, hein. Mais j'avoue que j'ai toujours un doute quand j'écris son blaze, donc c'est quand je me suis rendu compte de ça. Et du fait aussi que je savais jamais s'il y avait un espace entre Di et Caprio. Quand on sait pas écrire DiCaprio et Squeezie, qui sont quand même des superstars internationales les deux. Ils jouent dans le prochain Tarantino d'ailleurs, Squeezie, je sais pas si vous saviez. Et DiCaprio, il ouvre sa chaîne Twitch là bientôt. Donc voilà, je me vexe plus sur mon nom de famille mal écrit. Oh putain, je suis arrivé en direct sur le chat. Une générique de fin de stream à la Club d'eau avec tous les subs du live. Ah mais là, il faudrait que je sois un pro de la tech pour faire ça. Quelqu'un sait comment il s'appelle le groupe là? Bon, j'imagine qu'on t'a répondu. Voilà comment il s'appelle. Ton équipe a un nom officiel. Les gagnants du Pétanque Explorer. Pour ceux qui ne le savent pas, Aurel va gagner ce week-end le Pétanque Explorer. Et plutôt deux fois qu'une. Ah, 9h55. Madame Emelard, il est dans 5 minutes l'heure de donner l'heure. Ah, il y a Kajius qui... Bah, alors, ils sont turcs ou ils sont pas turcs ? Altingen est un groupe de musique néerlandais originaire d'Amsterdam. Il s'agit d'un groupe de rock et de folk psychédélique qui s'inspire de la musique moderne turque. Ah ! Qui s'inspire, mais peut-être il ment, de la musique moderne turque des années 60-70, alliant rock occidental et musique traditionnelle turque. Je suis Kes Choice, j'étais certain qu'ils étaient turcs. Nous sommes tous actuellement totalement Kes Choice. Nous n'avons jamais été aussi Kes Choice. Faut dire Dicaps, c'est plus simple. C'est vrai. Ou Aurel, pareil, pas de faute. Quand on écrit juste Aurel, pas de faute au nom du gars. Mais Squeezie, c'est plus une galère. Parce que même Squeezos, faut écrire Lucas, quoi. Mais les gens, ils savent pas forcément qu'on parle de Squeezos, quoi. Ta cote est à combien pour la victoire? 1000. Je connais pas les trucs de cote. Je sais pas s'il faut que ce soit, si c'est bas ou élevé pour que ce soit, pour que je gagne, mais on va gagner. Ah, il y a une faute à Aurel, putain. On peut même faire une faute à Aurel, en fait. Effectivement, Simon sait. Tout le monde pensait qu'ils étaient turcs, c'est fou, hein. Tout le monde la pète son crâne dans le chat. Et non, Altingen ne sont pas turcs. Moi, je connaissais pas, j'écoute parce que je les vois en festival cet été. Enfin, je vais dans un festival et du coup,
avec mes potes avec lesquels nous allons au Festoche. On a écouté tous les groupes qui passent là-bas pour opti le Festoche, forcément. Et j'avoue, ce groupe-là, il est sorti du lot. Il est sorti du lot. Madame Emelard, t'es prête, j'espère. Hein. J'espère que t'es prête. Hein. Est-ce que moi, mes fenêtres, elles sont prêtes? J'ai bien l'impression. Attendez, il est où le bingo? Oh putain, le bingo, il a disparu. Oh putain, le bingo, il a disparu. Non. Ça serait drôle que je perde la fenêtre parce que j'avoue, le... Non, je pense que je pourrais la retrouver. Bah, ça serait bien parce que là, je ne trouve pas le bingo. Ou alors, il est en dessous. Oh, la catastrophe. Je ne retrouve pas la fenêtre du bingo, les gars. Oupsie. Merde. Mais pourquoi j'ai... Comment ça se fait? Comment j'ai pas la fenêtre du bingo? Ah, c'est bon, je l'ai. Ouh. J'ai eu peur. J'ai eu très peur, les frères. J'ai eu très peur. Tiens, Aurel en... Aurel en parallèle. Ok. Il me reste une minute avant l'heure. J'en profite pour vous dire, si vous êtes un peu perdu sur la politique, si vous ne savez pas quoi dire à vos potes, vous avez l'impression que vous avez des proches, de la famille, des cousins, des voisins, votre boulangère qui va voter RN et vous ne savez pas trop quoi lui dire, vous ne comprenez pas trop tout ce qui se passe et vous voulez des vidéos simples qui expliquent clairement ce qui se passe avec une sensibilité de gauche, oui, mais qui est de base, ce sont des vraies enquêtes de vrais journalistes qui expliquent vraiment les choses de manière claire et ludique. Allez voir Blast. Sur tous les sujets, ils peuvent vous éclairer, regardez tous les sujets. Le programme du Nouveau Populaire va-t-il mener le pays à la ruine? Bien évidemment que non, on va vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Un journaliste de Blast dans garde à vue, on va vous expliquer. Les vrais extrêmes contre le Nouveau Front Populaire, on va tout vous expliquer. Regardez-moi tout ça là. Non mais ça explique bien les trucs, même sur comment les médias sont partis en couille. Sur la dédiabolisation et la diabolisation de LFI, sur tout un tas de trucs. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ça. Et au moins, vous saurez un peu plus ce qui se passe et vous aurez des choses à dire. Ah, Madame Emelard est là. Pour répondre aux gens qui sont perdus, pour éclairer les gens. Là, nous sommes dans une course contre la montre décisive avant ces élections. Et c'est très grave ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas. Même pour vous, si vous êtes un peu perdu, allez voir. Vous comprendrez mieux. Et n'hésitez pas, bien évidemment, également à aller voir tout ça pour pouvoir en discuter avec les gens autour de nous, parce que c'est compliqué, même moi qui ne suis pas un expert en politique. Et toutes ces vidéos sont très claires, très ludiques, et elles font du bien. Madame Emelard nous a dit l'heure. Je pense que ça veut dire qu'il est l'heure de lancer les festivités Ellen and the fucking boys. Alors, j'ai chaud là. Je vais devoir faire tomber le kimono pour l'été. Hein. Ou alors je mets rien en dessous. Je me fous torse-poule avec le kimonos. Ah putain, ouais, Chef Baltra qui nous dit « Un pote a fait une garde à vue en tant que gaucho, il a vécu les pires 20 heures de sa vie, c'est si scandaleux ce qui s'est passé, qu'un article sur Mediapart va sortir, si on avait un doute, les flics à Paris sont d'extrême droite. » les flics, c'est pas la fête, hein. Il y a forcément tous les flics ne sont pas, mais il y a quand même une... Ça va pas, et malheureusement, c'est ça le problème, c'est que si l'extrême droite passe au pouvoir, il y a tous les gens qui se retiennent de taper tout le monde, qui vont encore plus se lâcher, et ça va être... il y a vraiment des gens qui sont en danger, quoi. Moi, je suis un homme blanc hétérosexuel, ça va, mais il y a des gens qui sont en danger si l'extrême droite passe au pouvoir, parce que ça va aller... c'est tellement flippant. Mais ouais, les flics, je suis pas fan. Allez, Hélène et les garçons, on va aller voir des gens. Personne n'est problématique dans cette série. Tout va bien. Alors. Merci Madame Emelard pour l'heure en tout cas.
Actuellement en route pour distribuer des tracts. J'ai jamais fait ça, j'espère que ça ira. Bah oui, ça va aller. Bien sûr que ça va aller, mais force à toi. Bravo, Guillaume. Oui, voilà, moi je suis en danger si je vais en manif, mais bon, moi j'en ai fait quand même beaucoup des manifs. Si tu vas pas, si t'es pas tout derrière, si t'es pas tout devant, ça va quoi. Mais après, oui, je reste un homme blanc, donc c'est quand même beaucoup moins dangereux que pour tous les autres. Que pour toutes les minorités, quoi. Qui seront clairement en danger, qui sont déjà pas du tout en sécurité, mais qui seront en danger. C'est totalement évident. Parce que c'est là, il y a plein de gens qui vont voter pour le RN ou qui ont voté pour le RN parce qu'ils veulent des avancées sociales, genre, mais qui se rendent pas compte que ça va juste libérer la parole et libérer des actions violentes et des agressions de tous les vrais fachos de France qui attendent que ça et qui vont se laisser pousser des ailes, quoi, ou même la police, quoi, qui sont, enfin, il y a plein de gens qui sont là en train de se dire bon, j'ai envie de faire des trucs, mais c'est pas légitime, et puis d'un coup ils vont dire c'est bon, c'est légitime, ça va partir en sus, hein. Bah si on a le, c'est évidemment que ça va partir en sus si on a le RN au pouvoir, hein, au gouvernement, hein, c'est une catastrophe quoi. Bah la cause féministe aussi en prendrait un sacré coup, bah de ouf de chez de ouf. C'est très très dangereux ce qui se passe. Hein. Allez, on va essayer de se mettre un peu de baume au cœur. On va lancer les festivités Hélène et les garçons. Hélène et les garçons, la formidable sitcom des années 90 que nous pouvons regarder grâce à Media One qui nous y autorise et grâce à la chaîne Génération Sitcom, la chaîne YouTube sur laquelle est rangée toute leur sitcom avec beaucoup de... Très très bien rangé tout ça. Félicitations à vous Génération Sitcom et Fred. Tout ceci est très bien rangé et nous allons pouvoir donc regarder un épisode aujourd'hui. Pour les gens qui ne savent pas, donc on fait un react et un bingo d'Hélène et les garçons. Hélène et les garçons, ça c'est les trucs typiques qui se passent dans la série. Hier, vous avez vu, on était à deux doigts d'avoir cette ligne-là. Et cette ligne-là. Non, cette ligne-là. Et c'est fou, en ce moment, on n'a plus mon rire enregistré préféré, quoi. Mohaha ! Qui y avait tout le temps, 16 fois par épisode. En ce moment, il n'y est plus trop, quoi. Mais il va revenir, parce qu'il est culte. Je vous ai dit, moi, je l'avais repéré de l'époque, ce rire, et je l'adore. Pourquoi il a été réduit ton message ? Courage à tous les camarades, on est ensemble. Bah oui, carrément, Naked Tangerine. Courage à tous les camarades, on est ensemble. Enfin, moi, sur mon chat, il est... Wizbot, il te l'a censuré ton message. Pourquoi il l'a censuré ? Il a supprimé ton message, Wizbot. Naked Tangerine. Alors que tu dis juste bonjour à tous les camarades. C'est bizarre. Parce qu'il y avait un point, je crois. Ah, il a cru que c'était un lien ? Ok, je me suis dit, oula, mon Wizbot, il censure ce genre de message ? Bizarre. Ah, c'était un URL, ok. Ça ressemble à un lien, ok. Ok. Donc voilà, donc ça c'est les lignes d'hier, on a failli faire du bingo. Donc là, on va réinitialiser cette grille pour le bingo du jour. Et puis, s'il y a des gens qui nous rejoignent, des gens de Popcorn, des gens du stream de mardi soir avec la team Dingus, avec la team de Mister JD. Il y a peut-être des gens qui nous ont rejoints depuis. Donc pour ces gens-là, on va vous expliquer un peu quels sont les bails d'Hélène et les garçons avec grand plaisir. La meilleure sitcom des années 90. En tant que Hélène, je ne me sens pas du tout représentée par cette série. Bah quand même. Normalement, tous les garçons et tous les Hélènes et toutes les Hélènes se sentent représentées par cette série. Alors Hélène et les garçons, c'est quoi ? C'est une formidable sitcom des années 90. C'est un documentaire. Ils ne savent pas que ça filme, les gars. C'est un documentaire, du coup, c'est une étude sociologique sur les étudiants dans les années 90 qui ne connaissaient aucune précarité, si ce n'est celle des décors. Ils manquaient de décors. Où est-ce qu'ils baisent ? On ne sait pas. C'est l'histoire de quatre couples sur un campus universitaire. Le premier couple, il est culte. C'est bien évidemment Hélène et Nico, les sages de la série, la blondeur, la raison incarnée. Donc Hélène, elle est blonde, elle a une frange, elle est sage, elle est la grande sœur. Nico, c'est tout pareil, sauf que c'est un homme et qu'il a pas de frange, et qu'il fait des bruits aigus. Nico, il a sa case de bingo, regardez ici, Nicolas, bruit aigu. Il va nous faire un bruit aigu aujourd'hui, on ne sait pas. Deuxième couple culte, mais qui n'est pas très représenté en ce moment, parce qu'elle est tellement partie depuis longtemps, Johanna. Johanna, elle est retournée aux States pour s'occuper de sa mère malade, mais depuis 1000 ans et demi. Du coup, on a viré la case. Johanna met sa casquette, c'était le Big Flo avant le Covid. Mais hier, ils ont parlé d'elle quand même. Parce que son mec, Christian, le personnage toxique de la série, le batteur du groupe de rock,
l'a trompé un milliard de fois. Et en ce moment, il est amoureux de Linda. Et quand il annonce à ses potes qu'il est amoureux de Linda, parce qu'ils étaient, en couple en scred, Linda, personnage mannequin international qui n'a rien à foutre dans la série, quand il leur annonce, ils sont morts de rire en mode « Mais on avait grillé !» Mais personne dit « Et Johanna, sinon ?» Incroyable, on comprend pas. Mais on pensait que le scénariste, il avait oublié Johanna. Mais dans la scène d'après, et les filles, elles parlent de Johanna. Donc en fait, non, Johanna n'a pas été totalement oubliée. Mais c'est vrai qu'on a presque envie de mettre une case. Les personnages oublient l'existence de Johanna dans ce bingo. Je l'ai prénoté d'ailleurs, ça. Je le rajouterai peut-être dans le bingo de la semaine prochaine. Donc Christian, personnage toxique qui trompe Johanna à tour de bras. Thérèse aussi, actuellement, c'est un personnage secondaire de la série que Christian a fait venir. C'est son amour de jeunesse. Parce que quand Johanna elle est partie, il avait envie de Ken, donc il a fait venir Thérèse. Oui, il est très bon esprit, le Christian. Mais en ce moment, elle n'est pas là. En ce moment, elle n'est pas là. Et du coup, Béné a récupéré le lit vacant dans la chambre dans le campus universitaire. Le lit de Johanna a été squatté par Thérèse et en ce moment par Béné, si je ne dis pas de bêtises. Béné, elle arrive. Troisième couple culte, Lali et Sébastien. Donc Lali, en ce moment, elle met tout en œuvre pour tromper Sébastien avec Jacques. Jacques, personnage que toutes les meufs veulent se taper en ce moment. Nouveau personnage de la série qui, accessoirement, est l'ami d'enfance de Nicolas. Elle est en couple, Lali, avec Sébastien. Sébastien, personnage culte, parce qu'il fait des pauses absurdes au milieu de ses phrases, on l'adore. Et enfin, quatrième couple culte de la série, Béné et José. En ce moment, ils sont séparés. En ce moment, ils sont séparés, donc Béné, elle est triste, mais elle le cache. Et José, lui, il en profite pour se taper Adeline, la sœur, la cousine de Christian. Et on peut le comprendre. Donc en ce moment, il y a une vibe marrante, c'est que Hélène et Nico, ils ont la même coupe de cheveux. Lali et Sébastien, ils ont la même coupe de cheveux. Et José et sa meuf actuelle, Adeline, ils ont la même coupe de cheveux. Donc il y a un vrai délire de qui se ressemble, s'assemble. Et voilà. Et sinon, en ce moment, il y a Christophe aussi dans la série qui a sa case de bingo. Il y a évidemment José, il a sa case Sacré José, parce que c'est Sacré José. Christophe, il a sa case. Quand il a une casquette à l'endroit, c'est Orelsan. Quand il a pas de casquette, c'est Obispo. La preuve tout de suite. Il s'agit bien d'Obispo, ce gars. C'est Pascal Obispo, en 1995, je dirais. Oh là là. Et il y a qui d'autre en ce moment dans la série ? Il y a Nathalie, personnage qui est souvent seule debout. Du coup, elle a sa case Nathalie seule debout, qu'on a pu cocher hier avec beaucoup de plaisir, parce qu'elle était aux States, donc ça fait longtemps qu'elle n'était pas là. Ouais, il y a un rapport aux States dans cette série. Hein. Beaucoup de personnages anglo-saxons, d'où la case deux accents dans la même pièce. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a que Linda qui a un accent. Fois, et je crois que j'ai fait tous les persos actuels. Hein. Et ça, c'est l'épisode d'hier qui était réalisé par un nouveau réal, Pierre Lawrence, qui nous a fait une nuit américaine incroyable. Incroyable nuit américaine. Donc là, voilà, les garçons, ils ont changé l'heure du réveil de Christian parce qu'en ce moment, ils en ont marre que Christian il les fasse se lever hyper tôt pour aller à la salle de sport. Donc, ils ont pu faire la grasse mat. Ensuite, les filles, elles ont pu, elles, aller à la salle de sport pour jamais faire de sport, bien évidemment, comme d'habitude. Ensuite, Christian, il s'est levé, il pensait qu'il était 2 heures plus tôt, alors qu'en fait, il était 2 heures plus tard. Donc, il était dégoûté. Du coup, pour se venger, il a décidé de se regarder dans le miroir, mais il s'est dit « Mais je ressemble à une caméra, je comprends pas. » Donc, il essayait d'accrocher ses boutons de chemise, mais il n'y arrivait pas, forcément, vu que dans le miroir, il y avait une caméra. Ensuite, Béné, elle est en deuil. Regardez, elle a les lunettes de soleil du deuil. Mais heureusement, on pleurait avec elle. Mais Nathalie est revenue des États-Unis et elle était seule debout. Donc, on était très contents de pouvoir cocher cette case. Vous pourrez noter que Nathalie a toujours un pied dans le plâtre. Ensuite, elles ont parlé du fait qu'elle était triste parce qu'elle aimait, parce que José, il se tapait Adeline et tout. Ensuite, Jacques est arrivé, donc il a dragué toutes les meufs de la série, comme d'habitude. Ensuite, José est arrivé à la salle de sport avec Adeline, du coup, sa meuf du moment, la meuf de Christian. Vous noterez que dans cette série, dès que quelqu'un a un crush ou quelqu'un est excité par quelqu'un, il l'aime. Il lui dit « je t'aime ». Donc ça y est, José a déjà dit « je t'aime » à Adeline. Ensuite, Linda est arrivée. Christian, il est arrivé, il était vénère parce que du coup, il a raté sa séance de sport. Donc ça, c'est Christian, le personnage toxique. Et ça, c'est Linda, le mannequin international qu'il aime actuellement. Voilà. Donc là, il a dit « j'accompagne Linda, je sais pas où ». Et du coup, il a raté la répète. Ça, c'est José et Adeline qui arrivent à la cafette. Et Béné, elle dit « viens, viens, venez, venez !» Comme si elle s'en foutait, alors qu'en fait, elle s'en fout pas du tout. Salut. Là, elle cache bien le fait qu'elle s'en fout. Bonjour. Bien sûr. Bien sûr, disons-nous bonjour, il n'y a aucun souci. Salut Adeline. Salut Béné. Petite tension quand même. Elle le cache plus, ça y est. Elle l'a bien caché 4 secondes. Ambiance de merde. Salut. Ah oui ! Alors ça, on a vécu un moment qu'on adore, parce qu'il y a un truc dans cette série qu'on adore, c'est quand ils ne savent pas s'asseoir. C'est-à-dire qu'ils sont 47 autour de la table, mais que d'un côté pour qu'on puisse les filmer. Mais on ne les voit jamais s'asseoir, tous du même côté.
parce que c'est, ça n'a pas de sens. Et donc là, effectivement, personne ne vient s'asseoir là. Et il y a même, je ne sais plus qui dit, j'ai une place ici. Salut Nicolas. Tu vas bien? Asseyez-vous qu'on rigole. Je voulais faire une... Ça fait un petit... Pourquoi... Asseyez-vous du même côté de la table. Je sais si hier. On n'avait jamais eu ça. Il y a une place ici, si tu veux. Oh. Ah ben, merci. Alors nous, on grille qu'il y a un truc entre tout le monde kiffe Jacques, mais même Hélène, alors que c'est chaud, hein, parce que Hélène, c'est normalement, c'est la voix de la raison, de la sagesse. Mais elle kiffe Jacques, alors que c'est le petit ami de... Alors que c'est l'ami d'enfance de Nico. Mais nous, on grille parce qu'il y a des zooms sur eux. Mais eux, il n'y a pas les zooms, donc peut-être qu'ils grillent moins, les personnages. Mais nous, on grille. Hein. Nous, c'est complètement grillé, regardez. Mais c'est grillé. Ok, donc nous on a grillé, ensuite il y a Christophe, le personnage qui est ici là, Christophe, qui est Obispo ou Orelsan, mais plus depuis qu'on a mis la case du bingo. J'y attendais pas du tout. Qu'est-ce que c'est quoi le moment le plus revisionné? Ah, ça doit être l'arrivée d'Adeline, je pense. Eh bien, inclinons-nous. Ah mais non, ça doit être nous quand on a remis hier parce qu'il a fait une pause dans sa phrase, Sébastien. C'est ça le moment le plus revisionné? Oh Christian. Ou alors c'est une meuf qui arrive. Soit c'est une meuf fraîche qui arrive. Quelque chose ou pas? Non. Personne. Si, Hélène. Hélène le sait depuis le début, mais elle a gardé le secret. Bah, tu vois, même à moi, elle a rien dit. Ah, mais je savais que je pouvais lui faire confiance. Ouais, ça me fait penser que. Régler ça dès ce soir, moi. Comme c'est vrai, une femelle qui garde le secret à son mâle. Il rigole. Personne n'est problématique dans cette série, ils disent que des trucs hyper déconstruits. Vraiment très content que Linda soit heureuse. Petite pause qu'on a validée. C'est nous, du coup, ce moment le plus revisionné. C'est nous, hier, qui avons remis un truc, sûrement sur un litige de bingo, quoi. C'est drôle. Les moments les plus revisionnés, en fait, c'est toujours nous. Donc là, il n'y a pas eu de chaussures sur le lit. Voilà, ça, c'est une case qu'on adore. Il n'y a jamais de litige sur cette case. Et là, du coup, les filles, elles sont en train de se dire que Jacques... Lali, elle dit « Mais Jacques, c'est moi qui l'ai repéré en premier. » Mais Benny lui dit « Oui, mais t'es en couple, merde !» Et du coup, ça rigole là-dessus, je crois. Et qu'elle pouvait s'amuser. Et là, hier, on était en folie parce qu'il suffisait qu'il y ait le rire enregistré. Mouhaha! Et c'était réglé, on avait une ligne de bingo, donc on était comme des oufs. Mais malheureusement, il n'est jamais arrivé. Oh, mais c'est super, alors tout s'arrange. Ça lui va vachement mieux, sa coiffure. Je vous dis que la Lali, là. Regardez. Si je peux me permettre d'émettre un. Je quitte José juste au moment où je rencontre Jacques. C'est pas un miracle, ça? Fais attention dans le jeu. Mais... Ça rigole et ça lance le générique. Je m'appelle Jean-Louis. Alors, l'épisode du jour. Attends, non, ça c'est l'épisode d'hier. Oui, ça c'est l'épisode d'hier. Alors, l'épisode du jour, il s'appelle... Ah, il faut faire l'après-dit. Hier, l'après-dit, c'était est-ce que José, il a encore des fringues peinture lurées? Malheureusement, il ne les avait plus. Qu'est-ce... Ah oui, mais putain, il n'y a pas I18 qui est là. Oupsi, il va falloir que j'apprenne à faire une prédit. Est-ce que Madame Emlart est là et tu sais faire une prédit ou pas? Une prédit gladieux. Alors déjà, attends, qu'est-ce qu'on va faire comme prédit? Ah, il y a Miss Mev. Salut Miss Mev. Qu'est-ce qu'on va se faire comme prédit? Tu veux dire la nouvelle ancienne coupe exactement pareille qu'avant de Lali? Mais non, avant, elle se dégageait un peu, non? Qu'est-ce qu'elle... Non, avant, c'était plus long. Là, ah, c'est ça, c'est qu'elle a les cheveux plus courts sur les techos, là. Elle a les cheveux plus courts sur les techos. Lali sera dans une émission sur M6. Tout à fait, elle fait les traîtres. Lali. Le truc de loup-garou, là, d'M6. Mais 30 ans plus tard, on est d'accord. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a des garçons, ça existe toujours. Ça s'appelle Les Mystères de l'amour et c'est tous les week-ends sur TMC. Et c'est fou. Et il y a toujours Lali, il y a toujours Béné, il y a toujours Hélène, il y a toujours Nico, il y a toujours. Non, José, il est parti. Il est parti après 32 ans au mois de janvier. Il n'y a pas Sébastien, mais il y a tous les autres. Il y a Johanna de temps en temps quand il tourne des épisodes aux States, parce que ça va souvent aux States. Et elle est vraiment en fait elle est jamais revenue, je crois, hein. Vu que là elle est aux States, bah elle est jamais revenue, elle est toujours aux States. Maintenant ils vont la voir du coup pour qu'elle soit dans la série. Qu'est-ce qu'on se fait comme prédit? Alors hier il s'est passé quoi? Il s'est passé que donc ça avance tout doucement entre Jacques et Hélène, mais ça y va mollo. Béné elle veut se taper Jacques, mais Lali elle est pas contente. Lali elle est pas en... parce qu'à un moment donné on se disait qu'elle était en top priorité. Après, on disait qu'Hélène était en top priorité, mais en fait Jacques là ils nous font tourner un peu en bourrique et toutes les meufs sont dessus et j'ai pas l'impression qu'il y a une meuf là qui va se le taper. Mais on peut peut-être se faire quand même une prédit là-dessus. Bah, je sais pas. Hein. Christian, il est sur Linda. Ça y est, tout le monde est au courant. José, il est sur Adeline. Béné, elle est à fond sur Jacques. Béné se tape Jacques.
José s'est déguisé en squelette. Ça, c'est le dindon de hier de Red Dead. Elle est là, Vivi, au fait, ou pas? On a un clip à te montrer, Vivi. Hein. José va enfin pécho. Bah, José, il a pécho. Ah non, Jacques va enfin pécho, pardon. Jacques se taque Nico, effectivement. Jacques met un vent à Lali. Jacques avec Nathalie. Mais non, Nathalie, elle est amoureuse de Canu. Qui est aux States, avec Johanna, a priori. Qu'est-ce qu'on va se faire? Oui, oui, Ilios, ça existe encore, tout à fait. Tous les week-ends sur TMC, à 19h, le samedi et le dimanche. Ou à 20h, enfin, je sais plus. Je crois que le... Enfin, bon, bref, j'ai sur ce créneau-là. Mais c'est plus en décor et tout comme ça, c'est plus une sitcom, c'est une série type, Plus belle la vie, quoi, avec moins d'argent. Ils ont plus de décors pour baiser, du coup. Ça y est, ils sont adultes, ils ont plus la précarité des étudiants, ils ont beaucoup plus de décors maintenant. Ils peuvent amener une caméra n'importe où, donc c'est plus facile de créer des décors. Johanna revient, bah non. Johanna a rappelé, vu qu'elle, j'imagine qu'elle va bientôt revenir. Non, je pense qu'ils vont nous le dire quand elle va revenir, quand ils vont préparer le truc, ils vont l'utiliser scénaristiquement parlant. Ouais, ou alors, effectivement, ça peut être marrant, et puis s'ils s'en tapent aucune, eh ben ils s'en tapent aucune, mais ça peut être marrant de mettre Jacques et de faire un truc en trois propositions. Jacques se tape Béné, ou Lali, ou Hélène, ou personne. Non, je préfère l'annuler, la prédit, si c'est personne. Parce que sinon, les gens, ils vont voter pour personne. Et si se tape personne, on l'annule. Mais ouais, ça peut être marrant, ça, Miss Meuf, si tu peux faire ça comme prédit, ce serait cool. Merci à toi. Qui se tape Jacques, Béné, Lali, Hélène, et ne met pas le personne, ouais. Et on l'annulera, les loulous, vous inquiétez pas s'il se tape personne. Et se taper, ça veut dire qu'un bisou suffit. Un bisou suffit. Pas un flirt, parce que il flirte avec tout le monde, ce con. Pas on se touche la main, il faut qu'il y ait au moins un bisou. Ah oui, c'est intéressant, ça. Hier, il y a un truc, parce qu'à chaque fois, j'ai envie de dire « Jacques !» quand il y a le personnage de Jacques, et on sait pas pourquoi. Attendez, je vais faire la pub pour Génération Sitcom. Et on sait pas pourquoi j'ai envie de dire « Jacques !» Et je disais « Mais c'est pas dans Les Guignols, un truc comme ça ?» Il y a des gens qui disaient « C'est pas dans Le Grand Détournement ? C'est pas dans OSS ?» Et tout ça, c'est un peu la même famille, parce qu'il y a des scénaristes ou des réals qui sont en commun, donc c'est rigolo qu'on ait cité ces trois trucs-là. Mais je crois qu'il y a hier Jean-Christophe, je crois, sur Discord, qui a donné une bonne piste, et ça me semble tout à fait crédible, parce que moi, je disais que c'était... Enfin, que c'était dans Les Guignols, pour Jacques Chirac, que quelqu'un l'appelait Jacques. Mais je ne trouvais pas qui, je ne sais pas pourquoi j'ai ça ancré dans mon cerveau d'enfant. Et on se demandait si c'était pas Balladur, on a un peu cherché vite fait, ça n'avait pas l'air d'être Balladur. Et Jean-Christophe, hier, dans le Discord, nous disait que dans Les Guignols de l'Info, a priori, dans les années 90, il y avait Jean-Louis Debré, qui était un peu le laquais de Chirac dans Les Guignols de l'Info sur Canal, et qui l'appelait Jacques. Mais Cajus, ça t'as cherché, on est d'accord ? T'as cherché sur des traces sur Internet, t'en as trouvé aucune. Mais c'est vrai que Canal+, ils sont un peu hardcore sur les trucs de YouTube et tout ça, machin. Et du coup, il n'y a pas de traces de grand-chose, j'ai l'impression, sur YouTube. Mais j'ai pas cherché, moi. Mais c'est ça qu'a juste, t'as dit, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, on est d'accord. En tout cas, c'est parti pour la prédit, n'hésitez pas à voter. Aujourd'hui, qui pécho Jacques ? Béné, Hélène, Lali. Béné le sang, Hélène la maman, Lali, on sait pas pourquoi. Ah putain, il y a 95% sur Béné pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, il y a Tessa aussi qui dit « J'ai rematé Le Grand Détournement et malheureusement, c'est pas dedans qu'il y a Jacques. » Mais ouais, ça il me semblait bien, ouais. J'ai pas retrouvé en cherchant, mais je reste persuadé que c'était Jospin. Ah ouais ? Ouais, je sais pas, moi. Debré, ça me semble crédible. Non, parce qu'il y avait un espèce de truc un peu, tu sais, un peu aristocratie, un peu Jacques, tu sais, un peu bourgeois. Et Jospin, il était pas comme ça dans Les Guignols. Et Debré, ça peut marcher, effectivement. Jacques. Nibla qui dit, parce que se tape, ça veut dire quoi? Effectivement, bah j'ai dit, c'est au moins un bisou. Et s'il y a une partouze, bah tout le monde a gagné. C'est quand même cool, ça. Tin. Sur Discord, il y a Georges qui dit Nadine. Ah ouais? Mais j'ai vu l'extrême et j'ai pas... Il y a Nadine dedans? Attends, dans ce cas-là, je vais aller voir vite fait, hein, le temps que vous votiez, il vous reste 3 minutes. Parce qu'imaginez, première scène, ça baise, ça ken avec Lali ou avec... Bon, il y a peu de chance. Ce serait drôle, ça commence, on pense qu'il dort avec la lumière et on se rend compte qu'il y a Jacques caché sous le lit de Lali qui faisait encore une fois semblant de dormir car on était en train de lui faire des trucs sous la couette. Alors attendez, je vais vite fait aller voir dans le Discord parce que s'il y a Georges Abitbol qui dit Nadine. Georges Abitbol, c'est le personnage principal du Grand Détournement. Magnifique film de détournement. Qui s'appelle le vrai nom, c'est La Classe Américaine, en vrai, de ce film. Qui est un mélange de plein de films de la Warner Bros. Qui recrée un film incroyable. C'est à mourir de rire. Si vous aimez le détournement, si vous aimez les blagues bien cons, bien absurdes,
C'est où? C'est où que j'ai vu ça hier? Dans Partage? Ah ouais, c'est ça. Et ben je vous invite à aller voir Le Grand Détournement, c'est un bonheur. C'est vraiment mon feel-good movie. Alors, il y a Nibla qui nous a envoyé « J'ai coupé pour ne pas avoir les nombreux P-words, mais aucune trace du fameux Jacques. » Et là-dedans, il y a Nadine. Il dit Nadine à un moment, non. Ah non, il dit Nardine Oumouk. Il dit pas Nadine, il dit Nardine Oumouk. Il est déjà 9h, là ? Sur mon fond, il n'y a pas marqué Radio Réveil. À part ça, vous avez la classe. Tu vas voir la classe. Putain de cette Nadine. Il dit Nardine. Il dit pas Nadine, il dit Nardine. On se remet quand même le Nardine, ça fait plaisir. Putain de cette Nardine. on dirait effectivement qu'il dit Nardine, mais il dit Nardine. Il est déjà 9h là, c'est une de mes répliques préférées du film, hein, pour les gens qui connaissent l'histoire. On lui dit qu'il y a des gars qui viennent le défoncer à 9h, ils sont en train de dîner. On voit l'horloge et tout, et à 9h, du coup, les gars attaquent. Et lui, il hurle à la fenêtre. Il est déjà 9h là. C'est tellement con. J'adore. Alors, Hélène et les garçons. Et c'est parti pour Hélène et les garçons. Christian, José, Jimmy et José. Alors, le fameux Jacques, c'est pas dans Les Visiteurs. Mais tout le monde dit ça hier, c'est drôle. Tout le monde disait Les Guignols, Les Visiteurs ou Le Grand Détournement. Non, c'est pas dans Les Visiteurs. Parce qu'il y a Jacouille. Mais moi, je l'ai en tête, c'est un Jacques. Il n'y a pas ça. Il y a Jacquard, il y a Jacouille. Il n'y a pas Jacques dans Les Visiteurs. Mais effectivement, c'est, on l'a dans notre cerveau enfoui des souvenirs, des trucs de pop culture des années 90, quoi. Oh my god, Marignon était écourtée, la vie reprend, les fleurs chantent. Et bien voilà, Ouscou, tu es là pour le tout début de l'épisode. 10h24, nous lançons l'épisode. En vrai nom, dans Les Visiteurs, elle dit beaucoup. Monsieur, oui, exactement. C'est Balladur dans Les Guignols, j'en suis sûr. Bernadette Chirac dans Les Guignols. Non, c'est un gars. Mais je pense que moi, Debré, ça me semble crédible. Hein. Debré, ça me semble plus crédible. Jacques. Bah, faudrait que j'aille voir la voix qu'a Debré, déjà, et je verrai bien si c'est ça que j'ai dans ma tête, quoi. Là. Ma seule rêve de Jacques, c'est le détournement de Question pour un champion sur SoundCloud. Qu'est-ce que c'était drôle, ça? Qu'est-ce que c'était drôle? Ah oui, il y a aussi quelqu'un qui disait, il y a un épisode des Simpsons qui m'a dit en privé, je crois, ou je sais plus où, sur Insta. Un épisode des Simpsons où Marge rencontre Jacques au bowling et dit Jacques. Mais ouais, mais c'est pas dans les... J'ai pas été checké sur Disney+, non plus. Mais je crois pas que ce soit ça. Allez! Quand il y a Vivi, vous nous dites, hein. Je vous rappelle qu'il y a un... Il y a un clip pour Vivi qu'on doit lui montrer de Red Dead Redemption où hier on a trouvé un animal à elle. Je tease pas plus. Et Hélène and the Fur, King Boys. Ah, Jean-Pierre Spiro. C'est Jean-Pierre Spiro, donc c'est pas le nouveau réal, Pierre Lorenz. C'est pas mon père, Jean-Pierre Prévost. C'est donc Jean-Pierre Spiro. Donc c'est soit des Jean-Pierre, soit des... Eh mais c'est drôle parce que c'est Pierre Lorenz, Jean-Pierre Prévost et Jean-Pierre Spiro. Faut qu'il y ait Pierre dans le nom pour réaliser un épisode des Derniers Garçons. Est-ce qu'il y a un Pierre dans le chat? Bah, let's go, envoie ton CV à Azoulay, tu peux réaliser des épisodes il y a 30 ans. Est-ce qu'on commence dans la chambre des garçons? Est-ce qu'on commence dans la chambre des filles? Est-ce que quelqu'un dort avec la lumière? Qu'on puisse commencer ce bingo avec une case de cocher instantanément? C'est ce qu'on espère. Ah putain! On veut des épisodes qui commencent le matin, c'est ça qu'on aime. On veut les voir prendre le petit-déj. Et encore, c'est un peu frustrant parce que dans cette série, comme ils sont tout le temps dans leur chambre d'étudiants, ils prennent pas de petit-déj. Alors que moi, je me rappelle que ce que je kiffais dans les sitcoms AB Productions, c'était le petit-déj. Parce que dans Premier Baiser, ça commence toujours par le petit-déj de la famille. Dans Le Miel et les Abeilles, ça commence toujours par le petit-déj de la famille. C'est le petit-déj, quoi. Et dans L'Année des Garçons, il n'y a pas le petit-déj. C'est quand même extrêmement frustrant. Ah, Béné. Béné, elle est censée. Allez, attends. Donc Béné, elle pleurait à la fin de l'épisode d'avant. Et là, elle est en mode full Jack. Là, ça y est, je suis passé en OSS. Ça, c'est Jack. Ça, c'est OSS. Ah, Jack, t'es pas parti. Le petit-déj. Bonjour. Non, je t'attendais puisque tu m'as donné rendez-vous. Ah, bonjour. Bah, elle est en retard. Qu'est-ce qui est fou en retard? On a plus la case retard, c'est dommage. Et bah, pour l'après-dit, j'ai envie de dire que pour l'instant, ça part sur Béné. Bah, en même temps, 80% des... Attendez, personne n'a voté pour... C'est quoi l'après-dit? 81% des gens ont voté pour Béné qui se tape Jack. Hélène 13% et Lali, attends, je vois pas. Lali 6%. Ok, 6% pour Lali. Ok, d'accord. Pour l'instant, ça part sur Jacques. Excuse-moi, je suis en retard, mais j'ai eu un mal fou à me débarrasser des filles. Ah bon? Ah, ce qu'elle le fait en secrète des filles? Ah ouais, c'est vraiment la compète, quoi. C'est vraiment la sororité à balle.
Parce qu'il fallait que tu te débarrasses des filles. Bah c'est pas une compète, mais on est en pleine compète en tout cas. Bah oui. Je voulais vraiment te voir en tête-à-tête. Et qu'est-ce que tu as fait pour te débarrasser des filles? Il a pas de vie ce Jacques. Je leur ai raconté que j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Ah, c'est marrant. Je t'ai vu que je mette ma blouse blanche. Il est marrant ce Jacques. Non, c'est sérieux. Je t'aime. On commence à connaître la série. Normalement, là, dans 10 secondes, elle lui dit je t'aime. Parlez, Jacques. Je t'aime. C'est vrai que pour que tu m'appelles à 7h du matin chez moi, c'est que ça doit être un petit peu sérieux. Alors vas-y, je t'écoute. Mais va chez lui sinon, pour Ken directement. Puisque la cafette, c'est pas un endroit pour Ken. Pour l'aimer, pardon, pour aimer. Je t'aime. Eh ben voilà. Oh, c'est tout ? M'arrête ! Mais détends-toi, détends-la, Jacques. C'est vrai, c'est délicat. Je t'aime. Voilà. Je crois que je t'aime. Je vais être franche avec toi. Je t'aime. Attendez, elle va quand même pas lui... Parce que là, je rigole à 1000%. Elle va quand même pas lui dire je t'aime. Jacques, est-ce que tu crois que... Ah. Tous les deux, on pourrait vivre une belle histoire d'amour? Mais non, mais c'est trop! C'est trop! Dis-lui juste kiff, viens, on se pécho, tranquille! Meuf, c'est too much, là. Enfin, moi, Béné, elle me dit ça, je dis let's go, par contre. Faut que je sois honnête avec vous. Moi, Béné, elle me dit, tu crois qu'on pourrait vivre une belle histoire d'amour? Let's go. Elle peut me dire je t'aime au bout de 2 secondes, je l'aime déjà. Mais techniquement, là, ça va un peu vite quand même, Béné. Moins vite que José. Mais José, il a dit je t'aime au bout de 3 secondes à Adeline, mais il a quand même attendu qu'il se pécho, quoi. Et qu'elle avait déjà les bras dans le garage ou pas quand il lui a dit je t'aime? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Mais c'est vrai qu'il faut remettre la case Amour Express. Oh, la tête qui fait, Jacques. Mais ouais, Béné, tu vas trop vite en besogne. Cette tête. On pourrait vivre une belle histoire d'amour. Il a attendu que le plan soit sur lui quand même pour changer de tête. Jacques, tu m'as entendu ? Oui, mais enfin, excuse-moi, mais c'est... Moi, je suis un énorme charreau, moi, je veux me taper juste toutes les meufs. Et une fois que je serai amoureux d'une de celles-là, bah, j'arrêterai de voir les autres, ça marche comme ça. Surprenant comme proposition, enfin, je veux dire comme ça, de bon matin, mais... De bon matin. Demande-moi, redemande-moi à l'heure du goûter. C'est sympa, hein ? Oula, je fais pas ça de tête, Béné, parce que c'est pas bon signe, là. Faut que je t'explique. Je t'aime. Tu sais qu'entre José et moi, c'est fini. Oui, j'ai entendu. Elle est quand même extrêmement choupie. Hein. Pas... C'était la vérité. Vous bandez sur Jacques ou pas? Ils sont choupis tous les deux, là, je crois. Il y a du level, là. Vérité, je t'assure. Je suis désolé pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais bon, comme dans toutes les histoires d'amour. Sauf la nôtre. Attends, elle vend mal le projet. Hein. Il y a un début et il y a une fin. Et là, c'était la fin. Pour lui dire, on doit vivre une belle histoire d'amour, elle lui explique qu'il y a toujours une fin aux histoires d'amour. Oui, bien sûr. Mais vous alliez bien ensemble, pourtant. Mais oui, on allait bien ensemble, mais on ne va plus bien ensemble, voilà, c'est tout. C'est dommage. Je trouve que José est vraiment sympa. Mais oui, il est sympa. C'est dommage. Non, mais là, c'est très mal engagé, Béné. Je suis désolé pour vos 80 points de chaîne, pour les 80% des gens qui ont lâché tous leurs points de chaîne. C'est mal engagé, là. Il est en train de lui dire, c'est dommage que tu sois plus en couple avec José. L'embêtant, c'est qu'il est sympa avec tout le monde. Et surtout avec les filles. Ah, comme moi, bah, je vois. C'est la jalousie. Je vois très ça. Bien. Tu vas te mettre avec un autre énorme charreau, c'est une super idée, Béné. Non, c'est pas ça. Non, tu sais, j'ai été jalouse 200 fois. Elle a fait un truc des mains, digne d'un Bakri Jaoui, là, ça joue bien. C'est ça. Non, c'est pas ça. Non, tu sais, j'ai été jalouse 200 fois. Mais là, c'est pas pareil. J'exagère. Non, là, c'est pas la même chose. J'ai plus envie. Il y a quelque chose de cassé. Oh, puis je suis pas venue ici pour te parler de José. C'est vrai, excuse-moi. Je suis venue ici pour te parler de toi. Je t'aime. Enfin, de nous. Non mais ça fait peur, Béné, à tout le monde. Tu faut pas... Je viens de parler de nous. Ah, et de notre belle histoire d'amour, c'est ça? Ouais. Tu sais, c'est pas facile à dire, hein. J'essaie de mettre un arrêt sur image sur les yeux, bon, mais j'y arrive pas. Vrai. C'est marrant parce que je trouve qu'elle met beaucoup trop d'intention en ce moment, Laure et tout, quand elle joue. Ça s'appelle Laure Guibert, en vrai, hein. Oui, évidemment, c'est pas... Oui, parce que je disais que c'est une expérience sociologique, c'était un documentaire et tout, une étude sociologique, c'est faux, c'est des comédiens. Et ça, c'est Laure Guibert. Et elle met beaucoup trop d'intention, je trouve, mais là, comme elle est un peu... là, ça marche très bien. Là. Je te trouve beau, je te trouve séduisant, intelligent. Le perso en fait trop, mais elle joue très bien, je trouve. Ouais, c'est gentil. Mais non, c'est pas gentil. C'est la vérité. Non, je le pense, je t'assure, c'est vrai. Tu me plais. Mais ça met trop de pression. Bon, ok, elle est incroyablement belle, mais quand même, ça met trop de pression. Ombre de mèche. Bah, toi, au moins, tu es direct, hein. Tu sais comment faire peur aux hommes, hein. Pas aux gens. C'est pas que les hommes. En effet, mais tu sais, on se connaît pas beaucoup, tous les deux.
On dirait un peu une perruque aujourd'hui, non, ses cheveux à lui, là. Regardez au-dessus, là. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. Bah oui. Après, c'est des bébés, hein. Jack. Là, ils sont première année de fac, ils savent pas faire en relation, hein. Si je te plais pas, tu me le dis tout de suite. Bene. Mais arrête, je comprendrais très bien en plus. Bene, tu sais bien que tu es belle. Bah ouais, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Je prenais pas de risque. Mais non. Jean-Pierre Spiro, il se fait kiffer sur les gros plans sur Bene. Hein. Et notre belle histoire d'amour. Excuse-moi, mais j'ai besoin de réfléchir, Bene. Non, c'est vrai, j'ai besoin de mieux te connaître, de savoir qui tu es. Ouais. Mais prends tout ton temps. Elle a des francs en boucle d'oreille. Non? Bah ouais, autant que t'apprennes le plus vite possible à me connaître. Bon, eh bien, on y va alors. C'est quoi l'idée? Il a dit quoi? Attends, pardon, excusez-moi. De savoir qui tu es. J'étais sur le chat. J'ai besoin de réfléchir, Bene. Avant de vivre une histoire d'amour avec toi, vu que là j'ai pas du tout envie, j'ai besoin de réfléchir, je pense. C'est vrai, j'ai besoin de mieux te connaître, de savoir qui tu es. Ouais. Bah, on regarde la série. Ouais. Bah, prends tout ton temps. Et si on allait se promener tous les deux un petit peu? Maintenant? Bah ouais, autant que... Ils vont se promener. Le plus il n'y a pas de décor pour se promener. Ils vont se promener dans les décors de la série. Ils vont se promener, ces choupis. Attendez, quelqu'un dit il y a Vivi. Il y a Vivi? Ah non, c'est pas cette Vivi-là. C'est Vivi Pousse, la Vivi qu'on attend. C'est pas Vivi Miaou. Ah bah voilà, c'est ce qu'elle dit, Vivi Miaou. C'est pas moi, c'est Vivi Pousse qu'on attend. Toi, t'es une Vivi Virginie aussi, Vivi Miaou? Parce que l'autre, c'est... Bon, vous verrez tout à l'heure, mais... On a la Vivi qu'on mérite. Bah bon, moi, Vivi Miaou, je l'adore. Elle me clash pas sur les lignes de bingo, donc moi, je la préfère. Je profite que Vivi Pousse soit pas là. Ah, toi, t'es pas une Virginie? Ok. C'est quoi les autres Vivi? Viviane? Bon, après, c'est ton intimité, hein. T'es pas obligé de me répondre. Viviane, d'accord. Ah non, ça, c'est pas Viviane, c'est pas Vivi qui répond, donc on sait pas. Victoria, peut-être, effectivement? Il confond les Vivi, ben bravo. Oh, putain, merde, je suis cancel. Ils vont se balader où alors, vous pensez? S'ils vont se balader vers la Tour Eiffel, elle risque de Céus le canard de Lali. Hein. Et Lali va lui faire la gueule. Elle a dit: putain, tu veux me voler Jacques? Tu Céus mon canard? Oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, à un moment donné, elle a Céus un canard. Enfin, on suppute, on n'est pas sûr, mais on pense qu'elle a Céus un canard. Ouais. Enfin, ils ont baïonné Christian, mais quel plaisir! Je vous remets cette image de bonheur absolu dans ton rêve. Depuis toujours, on va se le mettre avec la VAR, évidemment. Quel plaisir, Christian Bayonnet, quel plaisir. Non ! Connaître, de savoir. J'ai failli tout merder, j'ai failli tout spoiler la série. Regardez Christian, il est bayonnet, quel plaisir. Quel plaisir. Oui! Jean-Pierre Spiro, il se fait kiffer en mise en scène. Ils l'ont attaché et tout, carrément. Non, mais c'est glauque. Mais j'adore. Christian, bruit aigu. Mais là, tu leur mets des coups de pied dans la gueule, en fait. Ils sont mignons, ils sont en calbar. On voit une couille de Nico. Hein. On peut rajouter la case dans le bingo. Couille de Nico. Parler, c'est bien le ralenti, mais il faudrait bien qu'il parle hyper vite dans la série, comme ça on pourrait avoir et l'image au ralenti et le son normal, parce que le son au ralenti c'est un peu horrible. Vous savez qu'ils font ça dans les clips? Vous avez déjà tilté ce truc-là? Tu sais, des fois on voit des clips en mode, tu sais, des chanteurs au ralenti trop stylés sur la plage, qui chantent la chanson en temps réel. Bah c'est pas possible en fait. Du coup ils l'apprennent en accéléré, et ils la chantent à fond en accéléré, et ensuite ils la foutent au ralenti. C'est un délire, hein. Dans 5 minutes, hein, t'es tellement mignon. Mais là, c'est de la. Bon, c'est Christian, donc on accepte. Mais c'est. Enfin, c'est interdit de faire ça, non? Ça, tu vas te faire mal à la gorge. Christian, si on s'est levé à 5h du matin pour. Ah, une petite photo de presse, comme d'habitude. Attaché de baïonner. T'imagines pas qu'on. Donc, ça, c'est le running actuel. C'est marrant parce qu'il y a toujours les histoires d'amour et des petits running gags comiques, entre guillemets. Et le dernier qu'on avait, c'était les filles qui saoulaient Lali avec le sport, en lui disant que c'était un gros tas et qu'il fallait qu'elle fasse du sport. Et qu'elle arrête de manger des hot dogs et de la glace. Et en ce moment, le running, c'est les gars trouvent des techniques pour ne pas que Christian veuille aller à la salle de sport trop tôt le matin. Et du coup, hier, il change son réveil d'heure. Et aujourd'hui, il l'attache, tout simplement.
qu'on t'en veuille, hein. C'est vrai. Ouais, mais c'est pas du tout pour ça, tu sais, c'est simplement qu'on voulait faire la grasse matinée, regarde. Il est 9h, on vient seulement de se réveiller. J'imagine pas à quel point c'est agréable de pouvoir dormir sans avoir un hystérique qui tous les matins nous hurle dans les oreilles. Allez, debout là-dedans. Bah oui, mais ça n'a rien de personnel. Mais il devrait un peu moins le jouer, parce que c'est craqué de faire ça. Mais là, il le joue comme s'il était en train de se faire torturer, Christian. Ça rend la scène relativement horrible. Hein, faut que tu sois bien conscient de ça. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être lever son baillon maintenant. Je sais pas. Ah, il semblerait. Ça fait 4 heures qu'il est baillonné, ils ont dit. C'est peut-être quelque chose d'important. Joue pas comme ça, Christian, s'il te plaît. Bon, enlève son baillon. Putain, il va être horrible. Il va être horrible. Mais ils sont morts de rire là, vous vous doutez bien qu'il va vous insulter. Mais là déjà, normalement, il leur met des coups de genoux dans la gueule à la mort, quoi. Mort pas, hein. Pas bouger. Mignon. Mais joue-le en comique, Christian, s'il te plaît. Ah, elles sont bien ces muselières, mais elles tiennent... Ah. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Oh, bon, ça, on le savait, mais c'est tout ce que t'avais à nous dire. Je te l'ai dit, on peut pas lui faire confiance. Sinon, toi, je crois que c'est important ce que t'avais à nous dire. Dites-le chez moi, vite. Ah bon, une nouvelle exigence. Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas? Je sais pas. Tu promets de pas te sauver? C'est dommage qu'on ait pas eu la scène de nuit comme dans l'épisode d'avant, avec une nuit américaine où ils attachent le gars, en fait, où ils se lèvent pour attacher le gars. Regardez, il y a Johanna derrière avec un. Alors pour les gens qui nous ont rejoints depuis Popcorn ou depuis des trucs comme ça, vous ne savez pas qui est Johanna. Bah regardez, elle est pote avec un taureau, un buffle. Je m'y connais pas en animaux, c'est bon, ça va, putain. Aurel Discord, qu'est-ce qu'il y a sur Discord? Oh putain, t'as retrouvé le Jacques. Incroyable. On va finir cette scène et on va aller voir le Jacques sur le Discord alors. Putain, incroyable. Incroyable. Bravo, Cagius. Bon, attendez, on y va. Attendez, il a retrouvé le Jacques. Jacques! Parce que pour les gens qui nous rejoignent, il y a un Jacques dans la série. Et à chaque fois, j'ai envie de dire Jacques. Alors, le Discord, c'est quoi? C'est ça. Incroyable. Spécial Jacques Chirac. Je viens d'y passer 20 minutes, mais... Ok, et c'est à quel... Il y a un timecode? Ah bah c'est calé. Oui, c'est... Merde. Merde, c'était calé. C'était calé, mais j'ai fermé la fenêtre. Regardez, il va dire Jacques. Donc c'était bien Jean-Louis Debré, alors. Incroyable. Jacques, ça sent très fort, les saucisses. Ah, c'est Larissa qui sent fort. Jacques, le conseil constitue... Jacques. C'est sérieux. Jacques. Travaillez. Oh, attends, Jean-Louis, tout le monde sait que c'est une planque ici, hein. Sinon, je serais jamais venu. Qu'est-ce que c'était bien. Travailler. Je me le remets une fois. Jacques. Ça... Jacques. Bon bah voilà, c'était ça. Merci beaucoup Cagius. Il s'agissait bien de Jean-Louis Debré quand il l'appelle Jacques Chirac dans les Guignols de l'info. Merci beaucoup Cagius pour cette enquête. Tu nous as retrouvé ça avec brio. Ça fait plaisir. Il faut le mettre en alerte sub. Bah, j'aime le laisser de côté. Jacques. Ouais, il faut que je me foute sur mon... Si j'étais fort en tech, je pourrais le foutre sur mon stream deck. Et quand il y a Jacques, je pourrais mettre Jean-Louis Debré qui dit Jacques. Mais là, il y a un peu un bruit de barbecue derrière, quoi. Bravo en tout cas, Cajous. Félicitations à toi. Effectivement, il s'agissait bien des Guignols de l'info. Et merci à tous pour votre contribution. Vous avez été hyper. On peut repart sur la... sur le... Comment on dit? Sur le... Merde. Sur le fait que lui, il est attaché. J'ai pas le mot. Bon, je suis sûr qu'on a tort. Ah, tant pis, on y va. Vous allez me le... On peut remettre la scène au début, juste pour le plaisir. Non, non. Yeah, oh là là, vous allez me payer, ça. C'est bien détaché, mais t'en prends la responsabilité, hein. Ouais. Il va les droguer, il va leur foutre de l'héroïne en intraveineuse la nuit pour se venger. Elle est crispée, hein. Il appelle la police, en fait. J'appelle l'hôpital, le SAMU, l'ambulance, avec une camisole de force. Ouais, parce que le cerveau, ça se soigne, d'accord? Ah, mais c'est trop tard, ils pourront rien faire. Presque bruit aigu, mais non, pas de bruit aigu de Nico. Attendez, mais on coche rien, là? Mais c'est quoi ce... Attendez, on est à 6 minutes, on n'a rien coché? Ouais, ils vont pas en cours, mais bon, c'est le matin, on peut la cocher pour le délire, mais c'est une case qu'on va sûrement décocher, hein, ils vont pas en cours. Mais allez, pour le plaisir de cocher une case, attends, il n'y a pas une ombre de perche? Il n'y a pas mourir pref? Il n'y a rien, là? C'est où, ils vont pas en cours?
là. C'est quoi ça? Eh, je suis pas content, moi. Elle est déjà partie. Qui ça? Linda. J'ai un rendez-vous avec Linda à la salle de sport. À cause de vous, je suis en retard de 2 heures. Tous les jours, ça, il trouve une technique pour, pour 2 heures de retard, quoi. Il avait rendez-vous avec Linda, là. Ouais, j'avais rendez-vous avec Linda. Mais pourquoi tu nous l'as pas dit? Parce que ça ne vous regarde pas, c'est tout. Bah pourquoi tu te penses que ça ne regarde pas? T'inquiète pas, de toute façon, les filles doivent être avec elle. Ah ouais, parce que les filles vont me remplacer, peut-être? Oh là là là. Peut-être pas tout remplacer, mais en tout cas, elle est en bonne compagnie, hein. Je commence à en avoir assez, vous gâchez la vie, non, c'est triste. Bah quitte la série, sinon. On s'excuse, on recommencera plus. Hein? Écoute, je suis amoureux, elle m'aime, on est heureux. Et vous, vous me faites des plans complètement tous les matins, j'en ai marre. Na. Je fais une crise, là. Ah, j'en ai bien peur. Hein? Pour me mettre dans la baignoire. Non mais là vous vous acharnez sur lui quand même. C'est drôle parce que quand il est horrible il le laisse faire. Et là quand il fait rien ils sont horribles avec lui quoi. Ah les gars. Qu'est-ce qui se passe? Non mais arrête, mais... lâchez-moi. Allez ça va. T'as rendez-vous avec Linda oui ou non hein? Alors faut que tu sois beau. Arrêtez. Propre, surtout propre. T'inquiète pas, j'ai découlé le bain moi-même. Ah d'accord. La température idéale. Ah, ouais. On y va. Dans les années 90 on a toujours une baignoire de remplie. Et voilà maintenant j'ai des remords. C'est vrai qu'on est dur avec lui. Hein. Il voit jamais ce truc venir. Il est hyper long le fil. Dans les années 90, les fils de douche, ils sont hyper longs. Hein. Les tuyaux de douche. Il va inonder toute la chambre. Il veut bien délirer, n'empêche. Oui, parce que c'est des comédiens. Je rappelle encore une fois que c'est pas un documentaire. Nathalie, assise. Oui, c'est ça, c'est qu'avant, Béné, elle avait les cheveux plus longs. Parce que je me dis, j'avais l'impression qu'elle avait une nouvelle coupe. Mais juste qu'elle avait réuni les cheveux de, comme ça, là, pour faire une frange. Mais en fait, c'est qu'elle a coupé sur les techos. Avant, elle était comme As, quoi. Elle était Hugo Décrypte, on disait. Elle a changé de coupe. Les gens, il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit, elle a la même coupe. Non ! Nathalie n'a plus son plâtre ! Nathalie, elle n'a plus son plâtre. Donc, pour les gens qui nous rejoignent, il y a aussi l'exercice E qu'on ne voit jamais. On voit tout le temps le G, mais le E ici, là. Non, il est encore plus à droite. Le F, on le voit. Prends exemple sur Nathalie. Mais l'exercice E, jamais au monde on le verra. Regarde, elle vient de se faire enlever son plâtre, elle a mal. S'ils l'ont rentré dans le scénar. Elle a fait quand même du sport, elle. Elle a qu'à faire du vélo. On va voir si c'est héroïque. Ah oui, du vélo. Eh bien, regardez. Hélène, assieds-toi, tout de suite, maintenant. Ou alors, faut activer ce truc sur 1000. Et du coup, elle va tomber. Mais t'as une seconde pour tomber, Hélène. Oh putain, regardez. Ça, c'est l'exercice E, qu'on voit jamais. Même de loin... Eh, mais ils en ont mis un au-dessus de l'autre. Même de loin, même en flou, comme on le voit là, on le voit jamais. Non, Nathalie. Regardez, Nathalie devant. Ouais, qu'est-ce que je vous ai dit? Jamais on le verra, cet exercice E. C'est incroyable. Pas de bêtises, n'écoute pas Lali, elle est jalouse. Ouais, pas du tout. Elle est juleuse. Elle ne supporte pas les gens qui ont du courage et de la volonté. Elle a honte, tu comprends? Et bah, si elle... bah là, elle est en train de la shamer, par contre. Bon, ok, c'est une seule fille qui la shame. Lali en disant qu'il faut qu'elle fasse du sport et tout ça. Mais bon, on peut valider, on coche rien en plus là, de toute façon. Parce qu'en plus, hier, j'ai, pour la blague, je vous ai dit, non, il n'y a qu'une seule qui la saoule. J'avais oublié que j'avais dit ça hier. Mais là, c'est bon, c'est les filles saoulent, les filles au sens large, quoi. C'est bon, quoi. Un jour, il y a un crime ici, vous saurez d'où ça vient. Mais c'est violent, l'épisode du jour. Et les garçons, ils viennent pas ce matin? Non, à mon avis, ils doivent être en train de faire joujou avec leur nouveau gadget. Ah, Nathalie participe? Ok, cool. Ok. Mais qu'est-ce que c'est? Christian. Mais je comprends rien, là. Attends, on va t'expliquer. Tu vois, ça fait à peu près 2 semaines maintenant que Christian les oblige à se lever à 7h le matin pour venir ici. Alors, ils ont décidé de se venger. Et pour ça, ils emploient n'importe quelle technique pour l'empêcher de les réveiller. Même des trucs illégaux. Et chaque test de Bechdel, des femmes entre elles ne parlent pas d'autre chose que des hommes. Donc, le test de Bechdel est foiré. Et hier, par exemple, il lui a retardé son réveil de 2 heures. J'aime ce concept de c'est un épisode, un jour. Imagine sa tête. Ouais, bah t'es loin de la réalité. C'était encore pire, il était fou de rage. Bah elle parlait d'elle au début, non. Oui, mais après elle parle des hommes. C'est dans une scène entière, faut qu'elle ne parle jamais d'hommes. Faut que des personnages féminins entre elles qui sont nommés parlent autre chose que de gars. Si elle ensuite parle de gars, bah le test est un échec. Mais toutes les fictions ratent ce test. Il y a très 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 peu d'œuvres de fiction qui réussissent le test de Weshden. Et ce matin, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ah, on n'a pas encore de nouvelles du front.
Mais d'après ce que m'a dit Nicolas hier soir... C'est répréhensible par la loi. Christian, il va se sentir complètement persécuté maintenant. Mais attends, et le pire, c'est que mine de rien, il donne encore rendez-vous à Linda à la gym. Ce qui le rend encore plus furieux, parce que chaque fois qu'il arrive, elle s'en va. Ça, c'est vraiment dégoûtant. Mais attends, elle a tout compris, elle n'est pas encore arrivée. Mais vous croyez vraiment que c'est sérieux, tous les deux? Ben, ça a l'air, hein. Hélène, pour le Front Populaire? Pourquoi elle a dit quoi? Des nouvelles du Front Populaire? Attendez, qu'est-ce qu'elle a dit? Ce que m'a dit Nicolas hier soir, ce qu'ils vont lui faire ce matin, ça va pas être triste. Pauvre Christian. Alors c'est quand? Ouais, bah t'es loin de la réalité. C'était encore pire, il était fou de rage. Et ce matin, qu'est-ce qu'ils ont monté? Bah pour ça, ils emploient n'importe quelle technique pour l'empêcher. Et tu vois, ça fait à peu près 2 semaines maintenant que Christian les oblige à se lever à 7h le matin pour venir ici. Alors ils ont décidé de se venger. Et pour ça, ils emploient n'importe quelle technique pour l'empêcher de les réveiller. Et hier, par exemple. Mais c'est quand qu'elle est le Front Populaire, Hélène? Je comprends pas. Je supporte pas les gens qui ont... Ah oui, du vélo. Bon, on va se rattraper toute la scène. Elle boite encore. Bah... Comment ça, elle boite encore? Colline, quelle bandeuse de Nathalie. Tous les jours, son amour pour elle se dévoile un peu plus. Non, fais pas de bêtises, n'écoute pas Lali, elle est jalouse. Ouais, pas du tout. Elle ne supporte pas les gens qui ont du courage et de la volonté. Elle a honte, tu comprends? Si un jour il y a un crime ici... C'est au moment où elle commence à marcher. Ok, soyez attentifs, Hélène, pour le Front Populaire, quand elle commence à marcher. Vous saurez d'où ça vient. Et les garçons, ils viennent pas ce matin? Non, à mon avis, ils doivent être en train de faire joujou avec leur nouveau gadget. Bon, du coup, je peux avancer parce que on va pas se taper 15 000 fois la scène. Ah oui, c'était encore long, putain. Et ce matin, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ah, on n'a pas encore de nouvelles du front. Mais d'après ce que m'a dit Nicolas hier soir, ce qu'ils vont lui faire ce matin, ça va pas être triste. Le front. Ouais, ça peut être le Front National. Non, parce qu'ils s'appellent plus le Front National pour cacher le fait qu'ils sont nazis. Pauvre Christian, il va se sentir complètement persécuté maintenant. Mais attends, et le pire, c'est que mine de rien, il donne encore rendez-vous à Linda à la gym. Ce qu'il rencontre. À Najim, effectivement. Chaque fois qu'il arrive, elle s'en va. Ah, il y a une perche. Ça, c'est vraiment dit. Attendez, il y a une perche. Ça doit être sur le mouvement, ça. Regardez le ciel. Ah oui, il y a une perche au-dessus, là. Ah oui. Regardez, un petit bout de perche. Ouais, bah. Regardez, je le monte sur ma. Ici. T'es fou de rage. Et oui, petit bout de perche. Ah, on avance. Inventé. Ah. Le front. On n'a pas encore de nouvelles du front. Mais il va gagner, le front, allez, on y croit. Mais attends, elle a tout compris, elle n'est pas encore arrivée. Mais vous croyez vraiment que c'est sérieux, tous les deux? Bien vu, Vermouth. Ça a l'air, hein. Écoutez, pour Thérèse et Christophe, j'avoue, je m'étais un petit peu trompée. Mais pour ce coup-là, j'avais raison, j'aurais dû parier. Là, pour une fois que t'as raison. Mais comment ça? J'ai très souvent raison. Tout le monde debout, même Nathalie. Fille, vous avez l'air... Regardez l'exercice, eux, comment ils nous narguent. Linda soit ensemble, mais Johanna, vous l'avez oublié? Ah, elle dit les choses. C'est qui le réal? Le réal, c'est Jean-Pierre Pierrot, je crois, aujourd'hui. Elle dit les choses, Nathalie. Nathalie seule à dire les choses. Nouvelle case de bingo. Ravi que Christian et Linda soient ensemble, mais Johanna, vous l'avez oublié? Non, aller aux États-Unis, tu sais. Ouais, elle a dû trouver un autre cri d'amour. Peut-être. Mais vous voulez dire que... Ah bah non, nous, bah non, on n'a absolument rien dit, nous. Rien du tout. Ah d'accord, je comprends. Bon, en tout cas, il en a de la chance, le petit... Rien dit quoi? J'ai pas compris. Christian, parce que Linda, elle est vraiment belle. Ouais, puis elle... Encore une ombre de perche. Attendez, elles disent qu'elles ont rien dit de quoi? Attends, c'est important quand même, là. Aller aux États-Unis, tu sais. Ouais. Aller aux États-Unis? Mais ils sont en couple! Elle a dû trouver un autre cri d'amour. Moi, Colline, c'est Lali, là. Je trouvais que sa coupe, ça lui va tellement bien. Mais vous voulez dire que... Oh. Elle a dû trouver un cri d'amour. Mais ils sont en couple encore. Ah oui, hier, on a appris qu'elle les a appelés, Johanna des States, et elle a rencontré quelqu'un. Mais c'est trop bizarre. Ils sont en couple. Ah non, nous, bah non, on n'a absolument rien dit, nous. Rien du tout. Ah d'accord, je comprends. Mais vous n'êtes pas des bonnes potes. Enfin... Des fois, ça sert à rien de tout balancer, tout ça, quoi. Mais là, je comprends pas. Si Johanna leur dit « j'ai rencontré quelqu'un », bah, Christian aussi, là, tu te doutes bien, comme il fait tout le temps n'importe quoi. Putain, regardez l'exercice, eux derrière, on le voit pas. Bon, bref. Bon, de toute façon, on comprend rien à cette série. Bon, en tout cas, il en a de la chance, le petit Christian. Parce que Linda, elle est vraiment belle. Ouais, puis elle est très gentille, en plus. Et puis c'est pas du tout le même genre que Johanna. Ça le change. Puis ils ont l'air bien, tous les deux, en fait. Ils ont l'air heureux. Et José Béné, c'est vraiment terminé, tous les deux? Bah, tu sais, José passe son temps avec Adeline, en plus, il ne se cache pas. Hein. Ouais, et puis comme Bénédicte a l'air de prendre ça bien,
Ça nous change toutes les histoires sordides qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. Ah, ça, tu peux le dire, on n'a pas été gâtés. Hein. Mais pourquoi elle n'est pas là, Béné, là? Elle avait rendez-vous chez son dentiste. Mal de dents, mal d'amour. Je me grillé. Je me demande s'il est beau, le petit dentiste. Oh, ça y est, ça la reprend. Tu veux encore parier là-dessus? Salut. Ah, donc pour les gens qui nous rejoignent, c'est Linda, le fameux mannequin international qui n'a rien à foutre dans la série, l'ex de Sébastien, qui a fait une tentative de suicide il y a 3 semaines parce que Sébastien l'avait quitté, parce que Sébastien l'aime plus, parce qu'il est avec Lali, et qui maintenant sort avec Christian depuis 15 jours, et ils s'aiment follement d'amour, et leur couple est devenu officiel depuis l'épisode d'hier. Ah bonjour Linda. Salut. Salut Linda, bah tu vois, tu es arrivée un tout petit peu trop tôt parce que Christian, il n'est pas encore là. Oh, bah j'ai compris. Les garçons lui ont encore joué un tour, c'est ça? T'as tout deviné. Ils l'ont séquestré dans la chambre. C'est pas encore. Le pauvre Christian. Après, il me le rend tout nerveux. Mais c'est pas si grave que ça. J'adore le calmer. Ça me rappelle les 2 fois où il m'a agressé avant qu'on soit en couple. Et allez! Arrête, ils vont rêver. Non. Encore un petit bisou. Bon, d'accord. Mais c'est quoi sa vie? On a compris, Adeline, ce qu'elle fout là? Parce que d'un coup d'un seul, il y a une meuf qui arrive, qui est fraîche, et on apprend que c'est la cousine de Christian. Mais et pourquoi elle traîne avec eux, soudainement? Cheat in garage. Bah non, pas cheat in garage. Il y avait l'exercice E. C'est impossible qu'il y ait l'exercice E. Non. Si tu parles de celui-là, là, c'est impossible. Regarde, il y a la tête de Linda devant. C'est impossible. C'est impossible. Il y a les garçons qui vont arriver, tout ça, non. Et cheating garage, non. Car ils sont en couple, ils sont pas en adultère, là. Ils vont arriver. Non. On considère qu'ils sont ensemble. Bah, en tout cas, on considère qu'il est plus avec Benet. C'est « We were on a break ». Nibats arrête de dire sur la fin de la scène. Nibats, il dit qu'il y a l'exercice. C'est impossible. T'as tout deviné là. Il est où ton exercice E? Exercice. Exercice A. Christian, calme. Exercice E. Mais c'est pas si grave que ça. J'adore le calmer. Attention. Regarde, là, elle va reculer la tête, c'est ça? C'est celui-là, tu penses qu'on. Regarde, c'est ça l'épisode que tu dis qu'on voit derrière? C'est impossible parce qu'on le voit jamais en fait. Celui-là, là, qui est entre les deux têtes, là. On ne le voit jamais en entier, donc c'est pas possible que ce soit celui-là. Donc pas de cheat. Arrête, ils vont rêver. Non. Encore un petit bisou. Bon, d'accord. Mais bien vu de le tenter, hein, je peux comprendre. Mais on sait déjà qu'on le verra jamais. Oh. Veste sur l'épaule. On repasse. Non, moi je veux... Veste sur l'épaule. Ça me rappelle Dindon sur l'épaule de hier. C'est... Bon, elle est là, Vivi, ou pas? Vivi, pousse, là. On a des clips à regarder sur Red Dead. Vivi, on t'attend, là, on en a marre. Veste sur l'épaule. Veste sur l'épaule, tac. Bon, attendez, ça, je vous le montre maintenant, parce que c'est quand même marrant. Puis on n'a pas besoin d'attendre Vivi pour ça. Regardez ce délire qu'on s'est tapé. Tain, 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 tain. C'est où? J'arrive, hein. On lui fait croire. Pendant combien de temps on doit faire genre, on n'a pas compris qu'il était mort, son dindon? Non, il est culte! Regardez! On est super potes! C'est Arthur et le dindon! Putain. Il y a dindon sur épaule. Effectivement, on dirait la case du bingo de Hélène et les garçons le matin. Effectivement, dindon sur l'épaule. Psartec, la blague. Vivi, on t'attend pour... C'est quoi le... Il y a 3 trucs, j'ai l'impression, qu'on doit regarder. Il y a l'animal de Vivi, il y a dindon sur épaule. Et je sais plus. Qu'est-ce qu'on vient de dire à l'instant? Bah non, c'était ça. Veste sur l'épaule, je l'ai coché. Alors attendez, on en est où du bingo? On est au milieu de l'épisode. Ah putain, c'est léger aujourd'hui, hein. On est au début de l'épisode, ça répète jamais. Ah putain, bon, on va y avoir un sacré José, là, je pense. Je veux voir ça. Ah non, Christian. Attendez, je suis pas sur la bonne fenêtre du tout là. Regardez, au moins de 18 ans. Ça te donnera des idées, t'es déjà précoce. Bruit aigu quand Nico rentre. Ça m'étonnerait, il y aurait d'autres gens qui le disent. Non, c'est pas aigu ça, c'est. Ah. C'est pas.
On repasse. Ah non, non, mais je veux voir ça. Ah non, Christian. Interdit au moins de 18 ans. Ça te donnera des idées, t'es déjà précoce. Mais d'entrée, c'est de ma faute. Je lui avais dit que vous alliez... Il a sa jambe sur elle et tout, José. Il est arrivé là. Alors, vous nous montez le show. Ah non, Christian. Vous regardez la tenue de José. Il a des Santiago. C'est terminé, il n'y a rien à voir. De toute façon, j'allais partir. Pas à cause de nous, quand même. Bah non, si, vous devez répéter. Accompagner José. Ah ouais, c'est ça que t'appelles accompagner José. C'était très bon. Pourquoi il n'y a plus mon rire, bref, c'est fou quand même. Si tu veux tout savoir. Bon, allez, je vous laisse répéter. À ce soir. À ce soir. Je pense à toi. Eh oh. Mais ça suffit, là, c'est ma cousine, hein. Pensez à l'honneur de la famille. Oh, l'honneur de la famille. Attends, je vais t'embrasser. L'honneur de la famille va être sauf, tu vois. Sacré José. Plus tard. Plus tard. Salut. Salut cousin. Salut cousine. Et attention à cet obsédé sexuel. Pour toi. Dis donc José, ça a l'air de bien se passer tous les deux. Ouais, je ne pensais pas qu'on pouvait être amoureux à ce point-là. Si, de ma cousine, toujours. En tout cas les copains, la vie est belle hein. Mais Béné. Quoi Béné? C'est vraiment fini, définitivement entre vous? Bah je mais crois. Mais qui en sait? Je veux bien prendre les deux, mais je ne crois pas que Béné accepte la polygamie. Et Adeline, oui, par contre. Oh, Christian, laisse-le rêver. On rêve tous un moment d'avoir plusieurs filles. Oh là là. J'ai essayé, ben, je peux vous dire que j'ai échoué, hein. Ah, est-ce que l'amour est compliqué quand même, hein? C'est vous qui êtes compliqué. Regardez, par exemple, Sébastien et moi. Sommes sérieux et fidèles. Tout va bien. Hey, vous savez, le pire, c'est que moi, je suis devenu comme vous. Depuis que je suis avec Linda, j'arrive pas à regarder une autre fille. Pourquoi ça existe? Il y a d'autres filles que Lali. Non, mais c'est vrai, je me reconnais même plus. J'ai changé. Ouais. Ouais. On dit que l'amour rend idiot, mais alors à ce point-là. Mais qu'est-ce qu'on cherche tous? Vous prenez des notes quand même? C'est intéressant tout ce qui se dit là. Être heureux. Et on y parvient parfaitement, non? Ouais, ouais, ouais. Et pour fêter ce bonheur, nous allons répéter. Ouais, je veux bien, mais Christophe n'est toujours pas là. Hein? C'est vrai ça, Lilian? On a que un synthé dans notre groupe. C'est pas du tout assez. Il en faut 8, je pense. Première fois qu'il est en retard, celui-là. Ouais. Pense-y. Salut tout le monde! Mais mets ta casquette dans l'autre sens ou enlève-la de ta tête, Christophe. C'est pas possible, ça. Ça va? On était en train de parler des hommes et des femmes. On disait des trucs super intéressants. Eh, les petits gars, là. C'est la première fois que t'es en retard, toi. Fais attention, t'es un nouveau, ok? Oui. Mais non, parce que justement, je suis... Il commence à mal s'habiller, Christophe, vous avez vu, il commence à... Les autres commencent à détendre sur lui. Même arrivé en avance. Comment ça, j'étais là, je t'ai pas vu. Bah toi, non. Mais moi, oui. Ah ouais. Et puis, comme tu avais l'air très occupé, si tu veux, j'ai pas voulu déranger, quoi. Ah ouais, d'accord. Bon, ouais, bon. Bon, on y va, hein. Mais... Bon, bref. Ok, allez au travail. Ok, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et malheureusement, c'est un. Ouf, c'est très express. C'est un début de morceau et non une fin. Lali! Une boisson différente. Il y a Jacques qui va arriver? Ah! Est-ce qu'il va la pécho? Parce que Jacques, il est pas sur Béné, hein, on a eu l'info, hein, malheureusement, même malgré vos 81% de gens qui pensent que c'est Béné qui allait se la taper. Ah oui, ils ont été se balader ensemble! Il va se passer quoi du coup là? Il y a Jacques? Ah non, c'est Hélène. Hélène qui va arriver seule. Oh, regardez, il y a José. Ah non, c'est pas José. Bah Lali, t'es là? Ouais, ouais. Oula, apparemment, elle a rendez-vous avec Jacques pour sursauter comme ça. Bah oui, j'étais venue prendre un petit verre avant d'aller rejoindre mes garçons. Ah bon? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Oh ben, moi aussi, j'avais envie de boire un verre comme toi. Tout le monde a donné rendez-vous à Jacques ou quoi? Ah, il y a un mensonge avec eux. Bah on sait pas encore si c'est un mensonge. Mais on va revérifier s'il y a un E effectivement dans la phrase. Ah. Sur, elle lit les liaisons dangereuses pour lui en parler. Ah oui, il parlait de ça, le gars. On voit ce qu'elle lit ou pas? Pascaline ou pas? Non, on voit pas. Bah oui. Alors, est-ce qu'il y a un E? Un E? Et s'il y a un E, on analysera pour voir si c'était vrai ou pas après. Si c'était un mensonge ou pas. Et si c'est un mensonge, ça sera une case validée. Là? Ouais, ouais. Bah oui, j'étais venue. Pour l'instant, c'est vrai. T'es là, ouais, ouais. Pour l'instant, c'est pas un mensonge. Prendre un petit verre avant d'aller rejoindre
problème des garçons. Voilà, vous comprenez maintenant quand vous me saoulez sur « Mais là, je comprends pas, elle ment, elle a dit « C'est ça l'intention, c'est quand ça joue comme ça. J'ai fait ça. C'est ça le mensonge avec « bordel. Sauf que là, pour l'instant, on sait pas si c'est un mensonge. Ah bon? Et toi, qu'est-ce que tu... Voilà, et toi, c'est ça les « qu'on veut. Et là? Oh ben, moi aussi, j'avais envie de boire un verre comme toi. Elle, apparemment, elle ment pas, il n'y a pas de « Ah. C'est bizarre, parce que normalement... normalement, on sent qu'elle veut plaire à... Je vous rappelle que Jacques, il est en étude de lettres. Donc pour lui, tout ce qui est lettres, genre le « e », par exemple, il adore. Donc là, elle taffe la séduction avec Jacques. Tu vas directement de la fac au garage? Bah oui, mais là, tu vois, j'ai décidé de changer, j'avais... Oh merde, normalement, tu vas directement de la fac au garage. Oupsie! On recule dans ce bingo. Elle revient de la fac. Nous devons décocher cette case. Si. Ah ouais. Bon, ok. Je te dis tout. En fait, si je suis là, c'est parce que j'attends Jacques. Bam, 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 bam. Il s'agissait bel et bien d'un mensonge avec E. Et même beaucoup de E. Ça fait plaisir, parce que hier, c'est un tout petit E, là. Je sais plus quand, avant-hier, vous m'avez embrouillé pour un tout petit E. Ça, c'est du E comme on aime. Donc regardez, on avance sur cette ligne. Hein. Ah non, il y a une course à faire dedans, on est foutu. Ça n'arrive pas si souvent. Ça arrive très, très rarement. Ah, fait chier. Fin d'un morceau, c'est possible. Une course à faire, c'est plus technique. Putain, c'est dur, hein. Ah bon, il doit passer. Ben ouais, normalement, il vient ici tous les... Normalement, Donc elle ment, parce qu'elle a dit normalement, Donc c'est un mensonge, il vient pas. Toi? C'est peut-être ça l'exercice, L'exercice, Bon, je vais pas te mentir, hein. Si je suis venue, c'est parce que j'avais un petit espoir de le rencontrer, moi aussi. Bon, maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que tu l'attends, toi? Bah, parce que je veux le baiser. Bah, pour le voir. Et toi? C'était juste pour... C'est dans l'espoir qu'il y ait un petit zoom sur nous, qu'on puisse se regarder avec un regard complice. Bonjour, comme ça. Tu veux le voir pourquoi? Attends, Hélène, tu joues à la naïve ou tu le fais exprès? Je le fais exprès. Je veux qu'il me dégomme. Bon, allez. J'attends un petit peu avec toi et puis dès qu'il arrive, je vous laisse. Ok, merci Hélène, parce que tu sais, pour ce genre de situation, je préfère quand même être seule. J'ai bugué. Oui. Trompé Seb. Tiens, vous êtes là. Ah oui! Une petite case! On se la remet. Être seule. Bah oui. Est-ce que ces deux personnages ne seraient pas assis? Est-ce que ce personnage ne serait pas debout? Elle a plus son plâtre, mais elle a toujours une petite canne. Nathalie, seule debout. Nathalie, seule debout. Nathalie, seule debout. Ah merde, hein. Alors attendez, on va se faire un petit kiff quand même, parce que je remarque un truc qui est pas possible. La case Christian égale caca n'est pas cochée. Ça n'a aucun sens. C'est pas possible. C'est une case qu'on devrait cocher d'office. Donc là, si on a un peu de chance. Ah ouais, mais non, mais ça n'arrivera jamais. Semelle de lit, de chaussures sur le lit, ça peut arriver. Mais deux accents dans la même pièce. Il faudrait que Johanna revienne. C'est qui? Ou que Canu revienne des États-Unis? Bah ouais, tous les accents, ils sont aux États-Unis, là. Ah, fais chier. Il n'y a que Linda qui est là. Mais peut-être que Linda va leur présenter un nouveau mannequin, un pote à elle, avec un accent. On sait jamais. Tiens, vous êtes là. Et qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux? On attend Jacques. Bah... Ah, voilà! Voilà. Là, c'est une masterclass sur les E. Voici ce que c'est que des E. Maintenant, quand vous me direz « il y a E », je vous dirai « repensez à la scène de l'épisode 166, proposition, dans laquelle Lali a fait 700 E ». C'est ça, les E qu'on veut. Bah rien, rien. Et toi? Moi? Rien. Ah voilà! On dirait que c'est pour vous, c'est, voilà, c'est une scène ludique d'explication de E. Non plus, enfin, je venais voir si... Ah. Nathalie aussi, elle aime Jacques? Ah ouais, elles sont toutes sur les côtes de Jacques, quoi. Ah, si la cafette n'avait pas changé de place. Nous dis pas que t'es venu voir Jacques, toi aussi. Mais arrêtez de mettre des E comme ça dans tous les sens. Jacques? Ah, parce qu'il doit venir ici. Mais oui. Jacques, Bien qu'il vienne ici tous les après-midi. Depuis qu'il est dans la série, parce qu'avant on l'avait jamais vu, alors que c'est le meilleur ami d'enfance de Nico. Et on l'a jamais vu, mais il est là tous les après-midi. D'ailleurs, c'est bizarre. Je me demande bien où il est. Normalement, il devrait être là. Oui, c'est bizarre. Bah, il est avec Béné. Une demi-heure de retard, non? Ah ouais, d'accord. Ah bon, une demi-heure de retard? Enfin, je voulais dire que... Enfin, il est tard et... Oh, puis vous m'ennuyez. C'est drôle, elles sont toutes à balle sur Jacques. Oh! Une scène en extérieur! Incroyable!
incroyable. Non, je vois des gens qui disent les boissons différentes, c'est sur leur table à eux, parce que sinon, il y en a 40 000 des boissons. On a une scène en extérieur, j'adore. Mais la dernière fois qu'on a eu une scène en extérieur, c'était Lali, quand elle trompait Sébastien avec Jimmy, au niveau de la Tour Eiffel, et c'est là qu'elle avait séduit un canard. Donc là, je sais pas où ils se promènent. Ça ressemble plus au bois de Boulogne, là. Mais si on... Parce qu'il y a un bus et tout, machin. C'est un bus, ça. Mais si on va de côté Tour Eiffel, ça va sucer du canard. Ça va séduire du canard. Il est en train de tomber amoureux ou quoi? C'est quoi? Ils sont dans quoi? Oh! Ils sont dans le téléphérique! Ils sont dans le téléphérique qui va au Sacré-Cœur! C'est incroyable! Incroyable! Il se marie. Ah non, c'est pas elle. Vous avez vu John Wick 4? Quand il se bat contre un gars qui le pousse dans les escaliers 40 000 fois et qui tombe, bah c'est là. C'est drôle, il y a un mariage. Il y a une vraie meuf de mariage, du coup, dans la série, quoi. Ah oui! C'est incroyable! Mais comment, pourquoi, par contre, ils prennent et le funiculaire et les escaliers? Attendez, faut écrire à Azoulay, il y a un problème. Impossible de prendre et le funiculaire. Ah oui, j'ai dit téléphérique, c'est funiculaire. Et de marcher dans les escaliers. Normalement, tu choisis, en fait. Ou alors, tu redescends. Non, il y a un problème, j'arrête. J'arrête Twitch, désolé. Ça marche pas. C'est pas possible. On a vécu une belle aventure ensemble. Si quelqu'un sub, je continue. Si personne sub, j'arrête Twitch. Subez, s'il vous plaît, je compte sur vous. Mais première incohérence de la série. Première incohérence de la série, en tout cas. C'est assez rare. C'est assez rare pour le souligner. Merci, Goodizer, qui a sauvé ma carrière sur Twitch. Merci à toi. Il est en train de tomber amoureux. Deux boissons différentes. Donc lui, là, il est dans Hélène et les garçons. Il est dans Hélène et les garçons. Je sais pas s'il est au courant. C'est où, ça? C'est drôle, parce que moi, je connais bien ce quartier. Il y a moins de tables aujourd'hui, ici. Il y a beaucoup plus de dessinateurs. Ça, c'est Dalida. Je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est la fameuse statue de Dalida de Montmartre. J'adore les scènes de comédie romantique, genre on délire. Il est en train de tomber amoureux, je pense, Jacques, là. Il est en train de tomber amoureux, là. C'est pas toi derrière Jacques sur la terrasse. Ça, c'est moi, ça? Bah non, je suis là. Je peux pas être là et là. Je vous remets cette... Là, ça rigole, en mode, j'adore comment tu bois des jus. Et là, c'est let's go, je vais t'arroser, on va délirer. Le délire. Elle aura... En fait, elle sait pas qu'on voit le jet. Parce que regardez, elle met pas de dos dedans. Elle met pas d'eau dans ses mains. Regardez. Au début, elle y arrive, elle dit merde, j'y arrive. Après, elle se dit je vais essayer de boire. Ah non, bah y a rien dans mes mains. Bon, bah je vais l'arroser avec rien. Mais j'adore. Ça n'a aucun sens. Ah oui! Ah, c'est lui qui se dessinait. Bah, faut dessiner le couple. Plus serré le plan, peut-être? Oula! Une main qui se tient? Ah non, c'est le portrait de Jack. Elle lui touche la jambe. Mais regarde le dessin, peut-être. C'est drôle, elle le regarde même pas, elle le range direct. C'est de la merde. Ça a l'air nul, hein. Allez, on va acheter ça direct. Bonne journée, monsieur. Salut, je suis Claude Lelouch, pas de problème. Bonne journée, hein. On va acheter votre merde tout de suite. Je t'aime, Jacques. Oui, bon, calmos. Ah oui, le lapin agile. C'est fou, j'ai tourné un plan de court-métrage ici. C'est drôle. Parce que c'est vraiment le cliché de ouf. J'avais fait un court-métrage où la blague, c'était que soudainement, les deux gars, ils devenaient super potes, Sid Marcus et Jean Valjean. Et du coup, ils se baladent là, en mode cliché de « ça y est, on est super potes ». C'est le même plan. Ça se trouve, c'est pour ça qu'on l'avait fait, sans s'en rendre compte. C'était un hommage à Jacques et Béné.
Bon, attendez, je vous le mets quand même, parce que si je le mets pas là, le plan, on le met quand? Ferme-la, par contre. Attendez, je vais virer les pubs en changeant mon compte, parce qu'à un moment donné... Tcha-tcha. Sur un tcha-tcha. Regardez, vous voyez, bah Sid qui est pas là. Ce matin, il n'y a pas Sid et Vivi, hein. Ah, c'est pas nous qui l'avons posté, Sid Marcus, sur... Bon, bref. Regardez. Sid Marcus devient pote... Oh, putain, la qualité a chié. Sid Marcus devient pote avec Jean Valjean. Sid Marcus, c'est lui, Jean Valjean, c'est lui. Et du coup, il marche à Montmartre. Au même endroit. Vous voyez derrière, là? Vous voyez ce petit, cette petite vigne, ce petit grillage, ce petit mur et ce petit panneau? Bah, c'est ça. C'est fou. C'est, la, c'est les mêmes blagues de montage, genre on devient pote et tout. C'est le même endroit. Surtout quand Louis XIV en personne veut vous péter la gueule. Sauf que eux, ils se font embrouiller par Louis XIV. Cherchez-moi. Jean Valjean, mais rendez-lui son masque. Non. Ah putain. Donc voilà, Jacques, Sid Marcus et Sid Marcus et Jean Valjean, Jacques et Béné, pareil. Ça serait drôle qu'il y ait Louis XIV qui débarque. Et on se dit, ah oui, d'accord, en fait, c'était vraiment inspiré d'Hélène et les garçons, mais on n'avait pas du tout, on n'avait pas du tout conscientisé le truc, quoi. Là, peut-être qu'ils regardent, ils font, oh, regarde, Jean Valjean. Regarde Louis XIV. On ne saura jamais ce qu'ils ont vu. Je pense qu'ils ont vu Louis XIV. Ah non, ils ont vu ça et ils y vont, quoi. Ok. Regarde là-bas. Ça serait pas Louis XIV. Si, si, c'est Louis XIV. Ah non, c'est Paris pollué. Vous savez qu'il y avait déjà de la pollution dans les années 90? Oui, bien sûr, on en parlait moins, mais ça fait longtemps qu'on est en train de baiser la planète. J'adore ce que tu dis, Béné. Ils sont revenus à leur point de départ, hein, parce que le funiculaire, au début, ils étaient là, par contre. Hein. Et là, ils tombent amoureux, vous pensez, Jacques, ou pas? Ça marche? Ça, c'est le plan de fin, ça. Une sortie de champ, ça sent le plan de fin. Zéro canard à recenser, a priori, à la CEUS, aucun canard, Béné. Ah oui! Fin d'un morceau. Leur balade n'a aucun sens. Ouais, si vous connaissez le 18e arrondissement de Paris, effectivement, la balade n'a pas grand sens. Allez, fin d'un morceau, let's go. Oh putain! Mais dites une course à faire! Ah, c'est chaud, il reste pas beaucoup de temps. Le truc de j'ai une course à faire, c'est une excuse pour aller faire autre chose, mais ça arrive pas en fin d'épisode, quoi, malheureusement. Il y a peu de chances qu'on l'ait, hein, notre course à faire. Ah putain, c'est dur. C'est dur, hein. 9,5, hein. Il a cassé sa... Il a cassé ça Sur 10 ou sur 20? Sur 12, non, c'est vrai, ça tournait bien. Mais sauf que mon choriste n'est pas vraiment au point, ça vous en est pas si on la reprend? Non, vas-y, hein, pas de problème. Non. Attendez. Faut que je m'accorde. Oh là 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 là. Oh Seb, fais comme Christophe et moi, achète des instruments modernes. Tu mets tout à 440 et y a pas de problème. Ah non, tu veux moi les instruments modernes, ça m'ennuie vraiment. Je préfère m'accorder. Ouais, je t'en prie, prends ton temps. Mais à propos, tu trouvais pas ça bizarre que les filles soient pas encore là? Les filles, ça c'est la période des sols, alors les filles... Bah Jean-Pierre Spiro cadre mieux peut-être. C'est une perche ça? Non. De toute façon, on a déjà coché les la filles, case. C'est la période des soldes, alors les filles... Oh putain, Van. Tu sais, les filles, c'est la période des soldes, alors les filles... Et il y a une pause absurde, non? Oulou. Ah ouais, il a fait une pause, Seb? Ah putain, faut que je surveille. Moderne. Tu mets tout à 440 et y a pas de problème. Ah non, tu veux moi les instruments modernes, ça m'ennuie... Vraiment. Bah oui. Allez bien. Ah, tu sais, moi les instruments modernes, ça m'ennuie... Vraiment, avec une petite respiration, jamais où il faut. Alors ça nous fait quoi ça? Ah ouais, ça nous aide pas trop non plus. Hein. Il faut donner un dodo avec lumière et un mot haha qui apparemment n'existe plus. Je préfère m'accorder. Ouais, je t'en prie, prends ton temps. Mais à propos, vous trouvez pas ça bizarre que les filles soient pas encore là? Les filles, ça c'est la période des sols, alors les filles... Hilarant. Oh. Ça méritait un mot haha, cette vanne sexiste. Oh. Ah bah les fins de mois vont être difficiles. Hein. Ça méritait un mouhaha, cette blague sexiste. Ouais. Moi, la mienne, elle fait des photos. Elle ramène plein d'argent à la maison. Oh. Non, la tienne, elle est aux États-Unis. Elle s'occupe de sa mère malade. Putain, c'est pas possible. Les bons exploiteurs, t'as pas honte.
C'est bizarre, j'arrive jamais à les laisser payer. Hein? Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Mais c'est normal. Moi-même, je n'arrive jamais à laisser payer une fille. Ouais. Par contre, ils ont pas d'argent. La Christian, en l'occurrence, elle a du blé, elle est mannequin internationale. Aucun, enfin, au-delà du fait que, bien évidemment, on peut laisser payer une fille, pourquoi... Enfin, il a pas d'argent. Eh ben, c'est pour ça qu'on finira tous fauchés. Bon, t'as fini de t'accorder, on peut y aller. Ça y est, une seconde, oh. Allez, c'est bon, on reprend. Allez. Qu'est-ce qui va se passer? 2, 3... Quelqu'un va rentrer. Quoi? Personne rentre? C'était quoi cette scène? Ça sert à quoi cette scène? J'ai rien compris. Il y avait quoi dans cette scène? Ils se disaient juste les filles, machin, ils ont dit des trucs sexistes, c'est tout? Quel était l'intérêt narratif de cette scène de se dire où sont les filles? Avec leurs gestes pleins de charme? Est-ce qu'il y a deux synthés dans ce qu'on entend là? Allez, 1, 2, 3, 4. De toute façon, ils font nimp, hein. Oh! Putain, mais c'est un régal là, toutes ces scènes. Donc, ça, c'est la cafette. C'est l'entrée de la cafette, techniquement. Mais c'est qui en moto avec son casque? C'est Jacques? Jacques! Il y a un cinéma à côté. Ah, quand ils disent on va au cinéma, c'est juste à côté de la cafette, en fait. Ok. Ah non, c'est Béné et Jacques qui arrivent. Ok, qui arrivent de tout droit de Montmartre. Attends, Jacques. Oh, une cabine téléphonique, quel régal. Ça t'a plu, cette petite promenade? C'était très sympa. C'est monté amoureux de moi? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il dit? C'était très sympa quoi? Ça t'a plu, cette petite promenade? C'était très sympa. Paris est vraiment une belle ville. Ah ouais. Et moi, je suis pas belle? Paris est une belle ville, ouais, c'est ça. Et moi? Excuse-moi, Béné, c'est pas ce que je voulais dire. Tu dois choisir! C'est moi ou c'est Paris, Jacques? Ouais, enfin, tu voulais dire que c'était une petite promenade de copains, quoi. Mais, oh, mais elle s'y prend pas bien, Béné. Elle s'y prend pas bien. Moi, Béné, moi, tu peux t'y prendre mal avec moi, mais avec Jacques, va falloir mieux t'y prendre. Bénédicte, je t'ai dit que j'ai besoin de connaître les gens. Ouais, mais je pensais, enfin... J'espérais que tu m'aurais connu un peu plus vite. Bénédicte, les choses doivent se faire naturellement. On ne peut rien forcer. Mmh. T'es pas un homme facile, toi. C'est plutôt que je ne veux pas faire de bêtises. Enfin, c'est plutôt... Enfin, bon, bref. Remarque, ça me change de José. Lui qui saute toujours sur tout ce qui bouge. Mais c'est vrai que ça se trouve, ça fait partie de la catégorie des gars qui draguent toutes les meufs, mais qui n'y vont jamais, quoi. Très mignonne, tu sais. Ouais, merci, mais bon, on y va. J'aurais bien voulu que tu me déglingues. Et les filles, regardez ce que... Et les filles. Tu vois? Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Je savais très bien qu'il fallait se méfier de Bénédicte. C'est vraiment pas... Ah putain, ils sont assis derrière. Mais attendez, comment ça, elles ont pas vu? Ah, ils s'assoient là, ok, j'avais pas vu. Je sais pas ce que je regardais. Et les filles, regardez ce que je vois. Et les filles. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Je savais très bien qu'il fallait se méfier de Bénédicte. C'est vraiment pas qu'elle pouvait faire une chose pareille. Non, attends, t'affole pas. Elle dit peut-être qu'ils se sont rencontrés juste devant la cafette. Mais enfin, Hélène a atterri, ça va bien, oui. Tu vois bien qu'ils ont passé toute la journée ensemble. Bah, répondez peut-être qu'ils vous entendent, je pense, là. J'ai bien peur que tu aies raison. Mais attendez, on va le savoir. Béné, oui. Béné, Jacques, on est là. Ah, tiens. Salut. Vous avez pas vu, par rapport au fait que vous étiez juste devant nous? C'est un peu normal, hein. Vous êtes trop occupé pour nous voir. Vous allez bien? Très bien. Et toi? Ça va. Béné force un peu, mais bon. On peut s'asseoir avec vous? Bah oui, bien sûr. Bon, alors, qu'est-ce que vous faisiez? On négociait. Vous négociez? Ouais. J'ai un truc à vendre, un vieil objet de famille, et je pense que ça peut intéresser Jacques. Il manque les E, hein, par contre, là, dans ton mensonge, Béné. Bon, on a déjà coché la case, mais quand même, on aime bien les E, on veut des E. Ils savent pas s'asseoir. Ah, ils savent pas s'asseoir, là? Il y a que trois boissons, putain. Attendez, juste... c'est la dernière scène. Ouais, on est foutu. Hein. Quand bien même, il y aurait quatre boissons, quand bien même, ils sauraient pas s'asseoir, on n'aura pas de ligne de bingo aujourd'hui. Putain.
bien sûr. Ah oui, ils savent pas s'asseoir, effectivement. Là, pour l'instant, ça, c'est s'asseoir. Et attention. Ça, c'est pas s'asseoir. Ah, j'aime bien avoir un large, quand même. Mais bon, je la valide avec plaisir, bien évidemment. Ils savent pas s'asseoir à table. Bon, alors, qu'est-ce que vous faisiez? On négociait. Vous négociez? Ouais. J'ai un truc à vendre, un vieil objet de famille, et je pense que ça peut intéresser Jacques. Ah, on ne sait jamais. Ouais, ça risque de prendre un peu de temps, mais je ne perds pas espoir d'y arriver. Ah, c'est elle qu'elle vend, quoi. Qui c'est? Mais attends, de quoi il parle, là? Tout ça, je ne cherche pas à comprendre, ça doit être de la poésie baroque. Ah, ils n'ont pas un travelling avant sur eux, mais quand même. Le fameux plan complicité... que personne d'autre ne voit par nous. Salut Jacques. Je vais passer tout l'épisode à forcer. Vous savez que vous pourriez aller en prison pour ça. Bah ça va, on t'a pas non plus... Allez, j'appelle la prison psychiatrique. Le SAMU psychiatrique. Ah non, on va être mouillé. On devrait plutôt foncer sur toi. Et puis te rappeler qu'un fil ne peut pas être si long. Un tuyau de truc. Salut Nathalie. Est-ce que tu voudrais pas t'asseoir? Te lever et je prends ta place. Pas de problème. Pas beaucoup vu José aujourd'hui, hein. Salut, vous faisiez quoi? Bah, devinez. On s'embrassait. Regardez la jambe de José. Ah, ça c'était culte. Ça c'était un régal quand même. Toutes ces scènes là, à Montmartre, c'était un régal quand même. La scène qui sert à rien. Merci Jean-Pierre. La cabine téléphonique. Béné qui force. Et enfin, Jacques et Hélène. Eh, ils prennent le temps sur cette histoire, hein. Ils prennent le temps, hein. Bon, ils sont complètement grillés avec les regards qui se jettent, mais. On peut annuler l'après-dit. Jacques n'a pécho personne. Aujourd'hui, 80% des gens qui pensaient que Béné allait pécho Jacques, elle a tout donné pour que les 80% aient raison. Mais malheureusement, Jacques, il est amoureux d'Hélène, en fait. C'est ça qui se passe. Il serait pas amoureux d'Hélène, il y serait allé. Hein. Même, t'es juste pour le délire, quoi. Pour tester, quoi. Écoutez, c'était un chouette épisode. On n'a pas eu de ligne de bingo, mais c'était un chouette épisode. On va se faire le petit tournoi de Mario Kart. Pour rappel, ce soir, soirée mousse sur la chaîne Twitch de Natou. Donc ce soir, on se retrouve sur la chaîne Twitch de Natou pour son émission soirée mousse. On se retrouve sur YouTube samedi après-midi sur la chaîne de McFly et Carlito pour le Pétanque Explorer. Pour le Pétanque Explorer de samedi, ça commence à 13h30, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et on se retrouve, sinon pour les gens qui suivent exclusivement la matinale, et ben on se retrouve mardi prochain pour la prochaine matinale avec un plaisir non dissimulé. Et là, on va se lancer le petit tournoi de Mario Kart pour finir la matinale comme tous les jours. Est-ce que Sid, il est là? Attends, mais Vivi, elle n'était pas... Mais c'est triste, ça. Vivi! La prédit, ben on peut l'annuler, hein, Madame Emelard, du coup, comme il ne s'est rien passé. Comme Jacques, il a prédit... Ah, il est là, Sid, il m'a déjà répondu oui. Formidable. Sid, et Vivi, elle n'est pas là? Elle ne lurque pas? On avait un truc à lui montrer. On aura oublié la semaine prochaine. Putain, c'est triste. Bon, on va le regarder quand même, en hommage à Vivi, quoi. Ah oui, et il y a quelqu'un qui a raté aussi le trickshot hier. On a fait un trickshot incroyable avec le gars qu'on traînait, là. Qu'on traînait, enfin, à qui on faisait faire du... Du jet ski dans l'herbe. Regardez, là, petit saut, là, déjà. Ah, merde. Hop. Ah, pardon, il s'est pris un petit rocher. Là, on t'a fait le truc. Mais regardez ce saut de pont incroyable qu'on a géré. Je sais plus qui dit j'ai raté ça. Bah voilà, c'est pour toi. Regardez-moi ce move. Faut pas que tu le rates, gars, le pont. Hein. Nickel. Oh oui, parfait. Ah oui, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Et enfin, le clip qu'on avait là pour Vivi. Donc si tu lui diras qu'on a pensé à elle. Elle a une biche, Vivi, qu'elle laisse traîner dans Red Dead, a priori. Je vais dans mon inventaire des animaux légendaires que j'ai croisés, des animaux cultes, et il y a la biche de Vivi. Okay. J'ai examiné ça, moi. Une biche de Virginie. Une biche de Virginie. C'est la meuf de Sid. Vous lui direz demain, les gens de la matinale, qu'hier, il y avait une biche à elle dans la biche de Virginie. Vous pouvez clipper que je le montre demain matin à Vivi, sa biche. Donc tu pourras lui dire, Sid, on a vu sa biche à Virginie hier. Tu lui diras? Je compte sur toi. Allez, c'est parti pour les festivités Mario Kart. Allez là, Vivi, ça fait plaisir. T'as vu ta biche? Regarde, c'est ta biche, tu la reconnais? Ok. On est d'accord que c'est ta biche, ça? J'ai examiné ça, moi. Une biche de Virginie. Une biche de Virginie. Tu laisses traîner tes biches dans Red Dead. Hein. Je dirais demain, aux gens de la matinale,
qu'hier, il y avait une biche à elle dans Red Dead. J'arrive jamais à dire, j'ai toujours GTA. Alors, on est parti pour Hélène et les garçons. Non, on est parti pour Mario Kart. On avait une musique Mario Kart, au fait, d'ailleurs. Ou pas? Ah ouais, je crois qu'il 18, tu nous avais fait une musique Mario Kart. Ça fait longtemps, on va se mettre la musique Mario Kart pour lancer les festivités. Mario Kart, Mario Kart. La musique de Mario Kart. Elles sont où les musiques? C'est bien rangé, hein? Elles sont où les musiques? Ah, c'est là. J'allume la console, je vais lancer. Vroom, vroom, mes voitures, ça va commencer. Aurel se plaint encore, I-18 va gagner. Attendez, parce qu'en fait, là, je peux pas lancer le jeu en même temps. Donc, I-18 va gagner. Ah ouais, on sent que c'est à l'ancienne. Hein. C'est à l'époque où I-18 gagnait, c'est fini, ça. Sid, il est fort en ce moment. Sid, il gagne tout le temps, là. Donc, le concept de ces quatre courses de Mario Kart, les amis, c'est quoi? Allume-toi la console, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir la console? Le concept de ces quatre courses, c'est qu'on finit toujours par Circuit Yoshi. Vous pouvez nous rejoindre, bien évidemment, à la maison. Il vous faut Mario Kart, il vous faut le online, et il vous faut la Switch. Et il faut que ça marche. Pourquoi ça marche pas? Allô? Allô? Alors la console ici elle marche ou pas? Déjà, on va faire ça. Là ça marche. Regardez, là ça marche, tout va bien. Et la prédit du jour sera, si on arrive à faire marcher la console, sera est-ce que Aurel gagne le tournoi. Est-ce qu'Aurel est sur le podium? Alors attendez, je vais brancher, débrancher la console. Ok, maintenant je vais activer, désactiver la source. Carte de capture. On met autre chose. Et ensuite on remet 60. Allez! Mais non! Comment ça, no signal? Putain, attendez, j'ai branché, j'ai débranché. J'ai activé, désactivé. Je suis sur le coup, hein. Vas-y. Les vraies choses. Ok. Ok. N'hésitez pas à sub, bien évidemment, si vous voulez que je chante votre blaze sur les airs de Mario Kart. Donc la prédiction d'Hélène et les garçons peut être annulée. La nouvelle prédiction de Aurel va-t-il être sur le podium peut être faite. Si quelqu'un... Est-ce que tu es là,
Est-ce que Miss Meuf, tu es là? Est-ce que Madame Emelard, tu es là peut-être? Pour lancer une petite prédiction, Aurélien va-t-il être sur le podium? Donc n'hésitez pas à sub si vous voulez que je chante vos blagues sur Mario Kart. C'est l'anniversaire de Siki77 aujourd'hui. Est-ce que Siki, tu es là? Pour que je te chante en l'honneur de ton anniversaire. Ah, le Tio. Le Tio. Le Tio va nous être chanté, bien évidemment, avec grand plaisir. Merci beaucoup, le Tio, pour le sub. Alors, je vais lancer le petit groupe. Donc, derrière WAM, vous allez pouvoir... Enfin, derrière anciennement WAM, il y a le code qui va apparaître. Ah, Siki est là. Bon, bah, je vais pouvoir te chanter. Merci Madame Emelard pour la prédit. Voilà, le petit code, c'est ça. CVCFV54. Je pense que faut pas mettre l'emphase sur le i. Ça doit être le petit o. Genre le petit nom, le tio. Le tio. Ouais, peut-être faut pas effectivement appuyer le i. Ah, regardez-moi ça. Il manque Sid. Hein. Sid, attention. Hein. On est 9. Il reste 3 places. Sid, dépêche-toi. Hein. Tio Marmaille, Tio Tarmaille. Pourquoi on peut pas rejoindre là? Bah rejoignez! Papam, pam, pam, pam. J'ai faim. Le Tio. Ouais, je pense que c'est effectivement le Tio, quoi. Le Tio Siki. Et si... Et sur la liste, la file d'attente, nous avons également Big Blo. Allez, rejoignez là. Attends, on est 10. Sid, il n'y a plus que 2 places. Sid et Vivi, il n'y a plus que 2 places. Hein. Ah non, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, on est 10. Ah, parfait. Parfait. On va pouvoir lancer la musique. Ah oui, mais vous n'allez pas l'entendre si je lance la musique. Alors attendez, comment je vais faire? Ah ouais, je suis foutu. Bon bah ça sera un autre jour Mario Kart, parce que du coup c'est chiant, parce que c'est pas sur la même scène. Donc tant pis pour la musique de Mario Kart. Allez! On lance les festivitos. Donc pour rappel, s'il y a des nouveaux, la dernière, il est très important de choisir Circuit Yoshi sur la dernière. Et si vous ne le faites pas, on sera obligé de vous ban, parce qu'on saura pas si vous avez fait exprès ou pas. Donc veillez bien à ne pas vous gourer, je vous montre laquelle c'est pour vous montrer l'exemple, c'est celle-ci. C'est pas Yoshi Valley, c'est pas Yoshi Island, c'est bien Circuit Yoshi. Je l'ai choisi en premier pour vous montrer. Et si vous pouvez plutôt choisir les anciennes courses, ça serait un plaisir parce que les nouvelles courses, c'est une galère totale. Donc s'il vous plaît, choisissez plutôt les anciennes courses. Merci beaucoup, quel plaisir, quel plaisir. J'ai l'impression de voir un peu des nouvelles têtes, non? Ah, une pas nouvelle course. C'est une ancienne course, ça. Ou c'est un remaster, je sais plus, je suis perdu. Sur les champis, là. J'ai l'impression de voir des nouvelles têtes. Bonne bienvenue à vous, si c'est le cas. Et maintenant, on va délirer. Aurel va-t-il finir sur le podium? Combien de gens y croient? 73% des gens y croient. Bah, Gorge Champignon. Non, il y était ou c'est un reboot, celui-là? Non, c'est un reboot de là, oui, ça. C'est une des dernières. Bah, putain, on tombe sur la seule qui est pas une des anciennes. Enfin, qui est une nouvelle ancienne. Je suis pas content. Siki77, bon anniversaire à toi. Ah oui, mais Siki, je connais pas la musique. Ah si. Siki77. 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 C'est dur ici. Siki 77. Et allez, Sid, il va me tirer des vertes dessus. Je connais. Oh, il m'a touché le bâtard. On le connaît, le Sid. Non! Regardez-moi ce scandale, je me prends une bleue quand je suis quatrième. Sid, je te hais. Hein. Sid, je sais pas pourquoi je t'attends à chaque fois. Scandale, ce gars. Siki 77. C'est super ce qui se passe. Siki 77. Bon anniv.
Bon anniversaire, Siki. Bon anniversaire, Siki. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Siki. Mais j'en ai marre. Mais j'en ai marre. C'est quoi cette game? Regardez, c'est tout ce qui m'arrive. C'est insupportable. Siki 77. Siki 77. Siki 77. Siki 77. Siki 77. J'ai vraiment eu zéro chat, quoi. Siki 77. 77, c'est Iki et 77, c'est Iki et 77, c'est Iki 77, c'est Iki 77, c'est l'anniversaire de Siki. 77, c'est Iki 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 77, c'est une catastrophe. C'était une catastrophe cette game. J'ai détesté. C'est Iki 77. Vous m'avez explosé, je me suis rarement fait exploser. J'ai fait un premier tour impec. Et à partir du moment où Sid m'a tiré une verte et que je me suis pris la bleue, je suis tombé 16 fois à cause de trucs que je ne maîtrisais pas. C'était horrible. J'arrête Twitch. Voilà, bonne journée. Bon anniversaire encore à toi, Siki77. Et maintenant, il va falloir que je me donne fort, fort, fort pour pouvoir rester sur le podium. Je vous redonne l'exemple une fois. Il s'agit bien de Circuit Yoshi. Ah, quelqu'un est parti. Et nous allons chanter le Tio. Si vous voulez, n'hésitez pas à sub que je chante meilleur anniversaire de ma vie. Bah écoute, ça fait plaisir. Si vous voulez que je chante votre blast sur les airs de Mario Kart, n'hésitez pas, bien évidemment, à sub. Pam pam pam. Ah putain, j'entends mieux la musique, c'est mieux là. Siki 77. Allez, va falloir se rattraper, hein. 9e sur la première, c'est pas top. Putain, il y a des nouvelles courses, je les déteste. Enfin, il y a une nouvelle course. C'est toujours le même monsieur, hein. Qui es-tu, monsieur? Si je dis pas de bêtises. Ah, c'est Bobo Tibobo qui prend des nouvelles courses. Mais ça va pas ou quoi, Bobo Tibobo? Quel scandale. Quel scandale. Ah merde, on a eu une déco. Bah désolé, garde des dum. J'ai bien dit ton blaze, je pense. Le Tio. Ah, et la cantine sera chantée. Oh non! C'est à cause de la cantine. Le tio. Putain, sur Zelda, t'as de la chance en plus. Hein. Le tio. Oh oh. Le tio. T'es content, Sid, c'est toi qui as choisi cette course. Espèce de Sid, va. Le tio. Oh non! J'étais protégé, mais quelqu'un s'est pris ma peau de banane, du coup je me suis pris la... Je crois que ce matin, ça va être vraiment une catastrophe pour moi. Hein. C'est vraiment, il n'y a rien qui va. Je joue de malchance. Le tio. C'est insupportable, là. Je me fais enchaîner dans tous les sens. Je vais me prendre le canon, c'est sûr. Le... Je suis 11e, hein, c'est vraiment un plaisir ce matin la game. Le tio. Ah, c'est super ça. Le tio. Le tio. J'ai déconné, j'aurais dû la garder. Le tio. Non! C'est insupportable! Le tio. Oh oh, je suis 11e. Ouais, c'est vraiment une catastrophe. Le tio. Une cata. 9e, 8e, une cata. Le tio. C'est pas de ta faute, le tio. Mais tu m'as pas porté chance. Je suis 9e. My god. Bon, deux fois premier et c'est réglé. Mais c'est fou.
Insupportable. La cantine. Merci pour le sub, la cantine. Même si tu l'as fait sur le départ et tu m'as fait foirer mon départ. Merci pour le deuxième mois, la cantine. Le Tio. Le. Non, la prochaine, c'est sur Kyoshi. Hein. Faites bien tous gaffe. Le Tio. Faut que je me prépare sur la cantine, sinon je vais oublier. La AA cantine. La AA cantine. Et vous pouvez juste sub aussi pour le plaisir. Hein. Pas obligé de sub pour que je chante votre blaze. Vous pouvez... Enfin, pour le plaisir. Pour soutenir le streamer. Pour qu'il reste au-dessus des 300 points d'abonnés pendant 3 mois afin que la répartition passe à 70-30. Allez, ça veut dire qu'on se fera 2 circuits Yoshi pour finir. Faut bien choisir circuit Yoshi pour la prochaine toutefois. Et on va chanter la cantine. Circuit Yoshi. Mais c'est marrant parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément un level de ouf dingue. Mais juste, je me fais exploser ma race. Enfin si, vous êtes tous trop forts hein, maintenant. Le level, il est là. Il y a du Cid, il y a du Fatih. On sait que sur du circuit Yoshi, c'est compliqué. Mais allez, je vais faire honneur aux 70% des gens, aux 72% des gens qui ont cru en moi en ratant les options dès le début. La cantine, la cantine. Il s'agit de la cantine. La cantine. La cantine, la cantine. La cantine, la cantine. Il s'agit de la cantine. La cantine. La cantine. La cantine. La cantine. La cantine. La merde. La cantine. La cantine. La cantine. La cantine. La. Et bah ces carapaces vertes, Cid, elles nous ont bien frôlé 14 000 fois. La cantine. La cantine. Oh non, ça y est, c'est reparti. La cantine. La cantine. La cantine. La cantine. La cantine. Oncle Cid. Ah, Cid, il a un champ alors qu'il est troisième. C'est quoi cette arnaque? La cantine. 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 Bon. Oh, j'ai failli me faire frapper par une rouge en arrière là. Bon, ça va être dur le podium. Hein. Ça va être dur le podium. Hein. Ça va être dur. Et Cid, il est chaud en ce moment. T'es combien, Cid, là? Mais t'es un monstre en ce moment. Ah non, ah si, t'es premier. Ah si, t'es un monstre en ce moment. C'est pas la troisième fois de suite là que tu vas peut-être gagner. Où mange-t-on, Aurel? À la cantine, je pense. Je pense, hein. Ouais, ça va être technique là, hein, je vous le dis moi. N'hésitez pas à sub si vous voulez que je chante votre blaze. Et on fait attention, circuit Yoshi pour tout le monde. Putain, Cid, il est chaud patate, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, désolé. Franchement, je vous ai souvent fait honneur, ça fait longtemps que je finis sur le podium. Ça fait longtemps que j'arrive à finir sur le podium, dans le trio de tête. Sorry pour les 72%. Mais là, même si je suis premier... Ah, il y a Bidax. Bidax aussi, elle est méga chaude. Si je ne dis pas de bêtises. Si je ne te méjore pas. Eh bah, Big Blow, ça sera pour toi. Big Blow. Big Blow. Faut que je dise bien. Big Blow. 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 Non!
Big bleu, je crois que quelqu'un s'est pris la rouge à ma place. Big bleu, j'ai tiré, je voulais pas, j'ai utilisé mon champ, je ne voulais pas. Big bleu. Mais je suis con, mais je fais une très mauvaise gestion des options, mais j'ai de la chance parce que là je devrais pas avoir une peau de banane. Big bleu. Tiens, si tu m'as gâché ma peau de banane. Merde, je fais de la merde. Je fais vraiment de la merde sur les options là. Avec Kuro aussi il est chaud. Wouah, elle est verte. Je me suis bien sorti là. Mais par contre, je vais manquer de protec. Mais il y a trop de gens chauds patates là. Vous êtes trop chaud. Hein. Et voilà, je suis foutu. 8ème. Vous êtes trop chaud. Ah le bâtard! Kuro il est chaud! C'est quoi ces gens trop chauds là? C'est quoi ce bordel? Vous êtes trop chauds les gens! Eh, vous êtes trop chauds là! Y'a des gens là! Kuro et Elsa, c'est ça? Vous êtes trop chaud. En fait, d'accord, là, il y a trop de gens trop chauds. C'est une dinguerie. Bon, top 2. Bon, je suis quoi, 6ème? Je suis combien, 5ème? Je suis loin du podium, quand même. 37 places, ok. C'est qui a fini en tête? C'est encore Sid ou pas, au final? J'ai pas vu ce que t'as fait, Sid. Ça va trop vite, à la fin, on a le temps de rien voir. Et oui, c'est encore Oncle Sid qui gagne. Putain, mais bien joué. Donc, effectivement, Elsa et Kuro, vous êtes trop chauds, quoi. Vous étiez déjà là? Ou alors j'avais jamais encore fait gaffe. Mais Psarté qu'à vous, Elsa et Kuro, vous êtes trop chaud quoi. Bah ouais, il commence à y avoir un certain petit niveau quand même sur cette partie du matin de Mario Kart. Sur ce mini tournoi. Bon bah trop cool. Bravo à Sid, hein, franchement, Sid tu gères. Hein. La semaine prochaine, on va se faire une petite prédit Sid gagne quoi. Mais je l'aime bien la prédit podium. Mais on peut pas toujours être sur le podium. J'ai tout donné en tout cas. Désolé pour vos points de chaîne les loulous. Vous pouvez, effectivement, tu peux Madame Emelard valider la prédit. J'ai perdu, je ne suis pas sur le podium. Donc bravo à ceux qui avaient bien prédit les bails. C'était encore une fois une matinée hyper, ça va nous manquer Hélène et les garçons, mais ça reprend mardi prochain. Et sinon, on se retrouve donc ce soir sur la chaîne de Natou pour la soirée mousse. Et on se retrouve samedi sur la chaîne de McFly et Carlito, sur la chaîne YouTube de McFly et Carlito, pour le Pétanque Explorer. Souhaitez-moi bonne chance. Je finis en retard. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une journée hyper. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup à la modération. Merci Madame Emelard. Merci Miss Mev. Merci I18 qui est passé. Mais merci même Messaïra qui est là dans nos cœurs, même s'il n'était pas là ce matin. Gros bisous tout le monde. On cut le live et on passe tous une journée.